Et là, déjà, c'est ce que je suis en train de faire et ça va résoudre le problème de. De culture, c'est que je vais racheter un deuxième épouvantail. Voilà, ça c'est fait. Bonjour tout le monde, pardon, j'ai relancé mon direct parce que j'avais merdé le titre, la date, la catégorie, la totale. Là, je suis un peu plus en éclos. Faut que je boive un coup. Voilà. Bon. Toc. On va faire comme ça. Ça. Oh mon Dieu! Non, qu'est-ce qu'il y a? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je suis sous le navire. Pardon. Ouf, voilà, je suis arrivé, j'ai failli dire par les chiottes. Je suis Ah. arrivé par le système de flotte. Yo cousin, j'espère que tu vas bien, bonjour cousin. Salut Rio. Salut Rio. Eh ben j'ai du mal moi ce matin. J'ai plein de planches dans l'inventaire, faut que je les dépose, elles sont précieuses les planches. Pour en jouer les plus, faut que je révise. C'est pas des planches qui manquent. Donc là, que je fasse bon. Attends, mais tu utilises une boue. Ah. Non, j'ai une bouteille d'eau pour Ah. remplir. Oui, et une gourde, ok. Deux gourdes, même. Non, c'est des trucs que j'ai pas pu arranger. Je suis perdu parce que j'arrive pas à trouver le. Ah, je vais garder les planches chez Bon. moi. Je vais assurer la cuisson de ce Voilà. qu'il faut griller. Normalement, on n'aura plus de problème avec les oiseaux. Tu vois, les grilles extérieures, apparemment, elles ont résisté. Enfin, de ce côté, apparemment. De l'autre côté. Ouais. Non, de l'autre côté, t'en as une qui s'est fait bouffer. Ah oui, bonjour. Dis-moi ce qu'il te faut, le sage. T'as besoin de trucs en cuisine ou en fait. Il a besoin de rien, ce frigo il est rempli. Oui, j'allais dire que sur les ordres du Capitoun. Là, merci. Non, mais en fait, c'est que là, on est complètement. Enfin, à part tes plats, mais le problème des plats, c'est qu'il faut. Ça remet bien, c'est sûr, mais ça remet pas mal d'ingrédients et puis ça va t'utiliser des bols en argile. Bah oui. Ce qui est un peu relou en fait, en vrai. Hein. C'est un des points. Pour moi, c'est un des points négatifs du jeu. Après, tu fais avec. Hein. Et donc, du coup, il vaudrait mieux regriller des aliments. Donc, utiliser les grilles de cuisson qui sont en bas. Parce que au niveau du coffre où il y avait des trucs grillés, c'est ce que je dis, il est complètement vide. Je sais pas où c'est passé, mais c'est complètement vide. Donc on a recommencé à faire des trucs. Tout ce qu'il y a dedans, c'est des trucs qu'on vient de griller avec Torota. Je remets quelques pilons crus là que je viens de récolter. Bon, allez, je vais sur l'île. Reviens, Pumba, je vais m'occuper de toi. Enfin, si le piaf veut bien. Passer par là. Oh putain, il est déjà là le pont. Tief de mes deux, viens. Oh putain, vas-y, le Pumba qui est là, fais chier. Oh merde, je suis. Vais prendre deux sacs de feuilles pour mettre dans le broyeur, ce serait très bien. C'est déloyal, bande de cons. Pardon. Hop là. Apparemment, Torota est en forme. Mais j'ai envie de me faire les deux là, le sanglier et le piaf.
Mais il me faut que je me fasse d'abord le sanglier pour être tranquille. C'est plus si. Allez, viens, Pumba, je m'occupe de tes petites fesses. Oh putain. Con de pief de mes deux. Oh, il vient chercher sa pierre juste à côté du combat avec le combat. Fait. Je demande rien à personne. Oh. Il faut vraiment que je m'occupe du sanglier. T'inquiète pas, j'arrive. Hop, je lui ai mis 3 coups de corne. Est-ce que quelqu'un a encore une canne à pêche? Bah moi justement je suis en train d'en faire usage et j'ai amené du poisson à bord. Ah, il y en a une en métal là. Je la prends. Ok. Allez, go sur l'île. Non. Le sanglier en moi. Le requin est revenu, je sais pas. 2, 3. Ah, c'est vrai que j'ai pas vu le squale encore. Ouais, je l'avais tué juste avant que t'arrives. Le sanglier est tué, il n'y a plus que le piaf à faire. Oh, je me suis fait attaquer à la fois par le requin et par un poisson explosif que j'avais pas vu. Ouh, dur. Non, ça va, le requin m'a niaqué le cul, mais le poisson explosif, j'ai pu nager assez vite pour qu'il explose dans le vide. Ah ouais, je vois le requin, effectivement. Quoi ? Moi, depuis le coup, je l'ai tué, il est revenu. Ah merde, mon inventaire est plein de planches, du coup, je peux pas prendre le poisson. Oh mon dieu. Ça t'a fait un paquet au sol. C'est ça. Un macro cru emballé, c'est pas beau ? Je les pêche déjà sous vide. On t'avait dit qu'on voulait de la nourriture fraîche. Vas-y, il y a deux sous. Oh là là. Mais c'est pas ma faute, capitoune. Bon, allez, moi aussi, je vais pêcher du poisson. Hop, attends, t'as encore un truc ici, là. Et tu parles à qui, Torda? C'est bon, j'ai récupéré ce que... Ah, c'était un poisson qui était à la flotte. Alors, voyons. Ouais. Comment on pêche déjà? c'est plus simple que dans Paris, alors. Bonjour la Jed. Mais j'ai la touche qui apparaît, j'appuie dessus. On attend. Ça me ramène pas le poisson. C'est quoi ce délire? Fou la merde. Eh bien, pour la Jed. En train de pêcher comme il faut. Beaucoup à découvrir, Nashavman. Un petit peu, mais je pense qu'on a fait la moitié de l'histoire à peu près. Eh bien. Je vérifie. Mais je suis pas sûr. Oh, un poisson lion. Bah, j'ai cru comprendre que c'était bien programmé dans le sens que la difficulté augmente et le temps à investir pour faire la mission est à chaque fois doublé, pour pas dire plus à chaque fois. Donc ouais, je présume que les derniers épisodes, on les fera plusieurs épisodes pour une seule mission, non? Je pense pas. Je pense pas, mais en fait, au début, ça augmente vite. Après, y a des nouveautés à chaque fois, mais on va. Après, c'est possible que certaines villes on les fasse un deux fois.
Après, ça dépend aussi d'où on commence. Tu vois, si nous on a amené le bateau pas très loin, tu vois, dans la semaine, pas très loin de l'île, on peut la commencer assez vite et puis. D'accord. Oui, j'ai les planches, je vais gérer les. Oiseau de mes deux, viens là, Voilà. je te pique le cul, c'est bon, allez, viens. Ça y est, Torota est à fond sur l'oiseau. Et il veut lui Ah faire ouais, les non, mais là, c'est fesses. bon. Il veut lui faire les fesses. On le sait. Coucou. Lime, en fait, la Je vais le déplumer, le piaf, tu vas voir. Bonjour, Tunsen. Putain, il est sur la montagne, comme par hasard. Là-haut sur la montagne. Pardon. Mais là-haut sur. Il atterrit toujours loin, ce coup. Allez, viens, lâche. Reposer cette canne pêche. Elle va bientôt mourir, mais la repose quand même. Bien, il y a à manger. Hop là, ça, je démarre pépère à faire la pêche. C'est agréable. Ah, on commence en douceur, t'inquiète pas. Histoire de se remettre en main un petit peu. Le piaf atterrit à côté. Ah, le squale est près de moi. Oh putain, le con. Il est. Atterri à côté, fais un effort. Oh, c'est ouf. Allez. Oula, pêcher avec la houle, c'est flippant. Non, tu vas atterrir où? Ouais, juste à côté. Il est asthmatique, mon personnage, pour courir comme. Au ralenti, Ah comme ouais. tous les persos, non? Je sais pas, je trouvais que la dernière fois il courait quand même plus vite. C'était une illusion d'optique sensorielle. Ça doit être ça. Ah ouais, sensoriel, d'accord, ok. Tu sais, c'est toujours de rajouter plein de mots, même s'ils sont pas dans le bon sens, pour faire croire aux gens que tu dis quelque chose de Oh dégueu. mon Dieu. Bon, Marc, tu vas me dire, regarde-nous. Est-ce qu'on est vraiment si intelligent que ça? Je ne sais pas. Moi je sais que non, après vous j'en sais rien. Ah, moi non plus, hein. Je le suis pas. Et de là. Ouah. Oh putain de requin de merde. Vas-y, allez, toi tu m'as saoulé, tu vas pas. Ah, mais toi aussi, t'as un problème avec le requin. Ah, mais voilà, on a chacun notre problème. Un piaf et un requin. C'est parfait. Oh, bien joué, le piaf. Ouais, c'est ça, fuis. Requin dessous. Oh là là, la roue me rend fou, je passais à l'étage sur le plan supérieur. J'arriverai mieux. Ah, mais je vais mourir en fait. Et ben voilà, je suis mort. Oh Ah. Quelqu'un qui vient me J'arrive. chercher? Je C'est à suis juste. côté. Ouais, je suis juste en face de la passerelle du bateau hein, qu'on utilise pour Ok, sortir. Allons. j'arrive. Ouais, je suis sous l'eau, C'est donc là tu me qu'il verras pas vient. de la surface. Ah, Mais d'accord. il t'a juste à sauter et à me récupérer. Normalement, je suis pas très long. Bon, dis-moi, Christella, jette un coup d'œil. Bah ouais, moi je vois rien. Sauf si je me suis éloigné en combattant. Bon, je suis pas si loin que ça. Je suis à peine plus loin que la passerelle.
la passerelle de devant là qui a été descendue pour sortir un peu en face, sur un peu légèrement sur la droite, je pense. Celle qui est devant vers les barbecues. Il y a des moments, il y a ma souris qui fait grève. Elle me refuse l'appui long. C'est bizarre, elle perd le contact de mon appui sur le capteur. C'est normal ça. Ah putain, mais en plus, il y a la nuit qui est là. Ouais, où il y a les coraux et tout. Oui. Attends, je vais le... Attention, requin. Attends, je vais essayer de le... Ah putain. Ouais, mais faut plonger sous l'eau pour le... Ah, maniaqué. En fait, le truc, c'est qu'avec la machette, j'arrive à toucher le requin avant qu'il me touche. Mais pas sur la partie avec Torota, il y a toujours le problème de D5, je sais pas d'où il vient. Mais ça m'empêche de combattre comme il faut. On va laisser passer l'ennemi, je pense, parce que là, je ne vois pas. Bon, bah, du coup, en attendant, les gens gameplay de folie. Hein. Voilà. Ouais, ça fait partie du jeu. Ouais, mais c'est gonflant parce que le requin, tu pourrais le poutrer en 3-4 coups et il a vraiment juste pour se faire chier. Quand... Parce que là, j'ai trouvé un endroit en fait où il y a plein de minerais de métal. Oh. Donc, ce qui est intéressant pour moi. Sauf qu'il faut plonger très profondément. Donc, si j'ai le requin en cuisse, c'est même pas la peine. Ok. Bon, mais je vais essayer de me faire le requin. Déjà, mais, normalement, si vous plongez sous, vous devez le voir tout de suite. Enfin, le problème, c'est que oui, moi j'ai plongé, mais j'ai pas vu. Je l'ai pas vu, il est où le requin? Il est passé juste à côté. Attention. Aïe, ben voilà. Allez, voilà. Allez, vas-y, on va se le faire, le requin de mes deux, là. Je me repasse une pique, elle a pété la mienne. Oui, mais Capitoun, il a été sauvé ou pas? Ben non. Non, pas encore. Oh. Et moi, ça risque bientôt de flancher aussi. Non, mais en fait, le problème, c'est qu'avec avec la D5, ça se trouve, je me crois à un endroit, et alors que je suis à l'opposé. Ah, merde. Parce que la dernière fois où je suis mort, là, tu sais, en allant chercher un truc flottant, là, qui coule, bah, je suis désolé, mais l'endroit où vous m'avez trouvé, c'est pas du tout l'endroit où je suis mort pour moi. Ah, là, je suis au-dessus, il y a des coraux bleus en dessous. Ben bah, oui, c'est ça. Et je suis dans un espèce de banc de poissons. Un banc de poissons, des coraux bleus... Ah, je crois... Je pense savoir où tu es. Mais. C'est bizarre. J'ai vu un banc de poissons là-bas. Je vois les coraux, mais. Normalement, je suis vraiment pas loin, c'est ça qui me fait bizarre. Recherche le petit Seb désespérément. Ah, voilà, et puis le coup. Ah, ben voilà. Perdre les deux tiers de l'inventaire, putain. Mais je suis si loin que ça, Christella ? Bah, quand même assez loin, ouais. Oh, bonjour, cocon. Mais ça doit être en combattant le requin que je me suis éloigné, sans faire exprès. Est-ce que je vais y arriver avant que. Aïe ! Ah, putain, encore un coup, je suis mort. Torota, pour que tu me prends, ça serait bien ? Je sais. Ah, même pas. Non. T'es morte ? Oh oh. Bah, oui. Oh oh. Ok. Faut que je fasse on est un appât et que je vienne vous sauver. Bougez pas. Mais non, arrête. Faut arrêter avec les appâts, ça sert à rien. On est au-dessus des algues. Mais là, on n'est pas loin de la passerelle. J'ai presque arrivé quand... Ah, ok. Alors, pas loin de la passerelle. J'arrive. Je suis... Life. Je cherche... Ce... Capitoune. Bug, il dit que je suis encore immobilisé. Qu'est-ce que c'est, bordel? Tu es à travers le bateau? Bonjour, Devil. À travers le bateau? Ah oui, j'étais encastré. Désolé, Christelle. J'arrive. Ça, c'est le manque de respect du sage. Tu vois, il t'a pas posé sur lui, il t'a jeté sur le sol. Je t'ai pas vu. Je suis désolé. Et j'ai pas vu ton. Oh putain, maintenant, c'est moi qui vais crever.
T'es où? Oh putain, Bella à gauche du bateau. Attends, pas... je suis vraiment à. Encore un coup et c'est bon. Non, ça va. Ouf. Putain, le requin. C'est ouf. Viens là, saloperie. Je vais me prendre un coup, je vais te coucher direct. Quand je veux me battre, il vient pas. Ah, il est là. Eh, hey, viens là, couillon. Ah, ça y est, il m'a eu. Ah, ok, je le vois. Tiens, tu peux pas toucher. Allez, fuis. Hein? Mais. Oh, c'est quoi ça? Et voilà, allez. C'est bon. Je le ramasse. Hein. Voilà. Et hey, Mister Pong, comment vas-tu? Monsieur Poupon. Allez. Mieux que vous, apparemment. Mais nous, on va très très bien. Ça va mieux, hein, t'inquiète pas. On n'est pas encore en phase de... des phases, si je peux dire. Bon alors. Alors, bien, atterri. Ouais, non. C'est pas encore le radeau de la méduse, hein. Ouais, non, pas du tout, encore. Il y a juste 2-3 petites retouches à faire. C'est pas grand chose. Ah. Bon, bah, normalement, il devrait plus y avoir poisson explosif autour de lui, puisqu'on a un deuxième qui vient. Oh, coucou Aeroster, comment vas-tu? Bonjour Aeroster. Salut Aero. Allez. Bon, je vais juste au fin fond du monde pour voir les numéros. Hop là. Raté. Pief de mes deux. Tu sais pas viser. Et j'adore parce que rien que le temps que j'arrive jusqu'en bas, j'ai consommé la moitié de mon oxygène. Ouch. Alors que t'as en plus des bouteilles de plongée, on est d'accord. Ouais. Ouch, un goût terrible. Ah putain. Et pourquoi je descends au lieu de monter? Bon bah je vais crever encore. Ah fais chier putain. Faut que je fasse gaffe. Atterri plus près. Ah non, c'est bon. Je suis coincé par des petites merdes, des fois, c'est chaud, quoi. Je comprends pas comment ça. Alors, Poupon dit, content de te voir en direct, pas en garde à vue, chercher des barbus, j'ai eu peur pour toi. Oh, Poupon. Non, Poupon dit ça parce que dans ma région, dans Nancy, et quelques kilomètres aux alentours, il y a la police nationale qui a réussi à faire un joli coup de filet, visiblement, je crois que les individus étaient qualifiés de terroristes. Donc, dur. Ouais. C'était du lourd, là. Et ils ont fait une descente hier et visiblement, ça a été... Oh, le bug qu'il y a eu. Une bonne prise. Oh, c'est très drôle. Ah, mais d'un côté, c'est une bonne nouvelle. Ah oui, salut les forces de l'ordre qui font un excellent boulot. Complètement. Oh. Ouais.
Arrête de traverser, toi. Traverse pas les montagnes, trou du fion. Tiens, non. Torota versus l'oiseau, comme d'habitude. J'arrive plus à atterrir, j'ai la place là, moi. Aïe, 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 un peu à gauche, un peu à droite. Ah ouais, non, mais le piaf, il traverse les montagnes et c'est chaud, quand même. Après le passe-montagne, le piaf-montagne. Dans le... Oh putain. Ah ouais, non, mais le piaf, c'est le pire. C'est horrible. Ouais, magnifique. Deux magnifiques sur mon gris. On dit pas trou du fion, mais trou fion. Oui, mais t'inquiète. C'est pareil, que ça soit l'un ou l'autre. C'est ça. Il va connaître les deux. C'est un trou du fion qui va se faire mettre par où? Par le trou fion. Allez, vas-y, dans la montagne. Il est pervers, cet oiseau. Donc, il va falloir que je revienne bientôt. Votre sexualité ne regarde que vous, cher monsieur. Alors, oui, mais non, c'est pas des trucs qui m'intéressent. Les animaux, c'est nos amis. Il faut les aimer aussi. Mais pas de cette façon-là. C'est ça. Bon. J'ai failli crever 3-4 fois, mais dans les profondeurs, là, juste au même endroit, hein, juste à côté du bateau, 18 minerais de métal. Oh, joli. Beau. Très, très beau. Allez, j'y replonge une dernière fois, parce qu'il y a aussi deux coffres au fond. Je ramasse pas le cuivre. Hein. Ah, ça fait des batteries. Ouais, on en a plus. Presque deux stacks en réserve. Enfin, on a plus de deux stacks en réserve parce que on a plus d'un stack et demi en lingots et puis on a plus d'un demi stack en minerais. Donc, eh bien. On a largement de quoi faire au niveau du cuir. C'est pas ça qui me manque. Ok, je continue. Je peux commencer le tour de l'île maintenant que j'ai fait cet endroit-là. À la pêche, j'enchaîne les saumons crus, c'est génial. Ça y aurait vachement l'air. Le saumon, oui. Et quand tu les fais cuire, tu peux les manger trois fois. C'est ça. Ben, je vais retourner sur le bateau. J'ai plus de bouffe. Le pief, il va me prendre une blinde à le tuer. Alors, je m'adresse à mon public dont je sollicite l'indulgence. Veuillez m'excuser, mais je suis un peu pataud ce matin. J'ai grosse fatigue, du mal à bien dormir à cause de tempêtes chez moi, les volets qui claquent. Donc, je suis un peu pas dans les vapes, désolé. Allez. Bon, qui me dit ça a changé Subnautica. Ouais, mais c'est pas ça. Jeu que je n'ai jamais fait. Subnautica. Ouais. Bon. Round numéro 3.
Le piaf versus Dorota. C'est le titre de ton prochain film, Dorota. Ouais, exactement, qui dure au moins 2 heures et demie, parce qu'il y a une intrigue, il y a de la passion, il y a de l'action. On a vu ça, passion oiseau, mais bon. Ouais, non. Non, non, j'ai rien dit. C'est bon. Enfin, tant que c'est légal, hein. Oui, non, mais c'est, ouais. Bon, j'irai pas plus loin. T'inquiète pas, c'est totalement illégal. Légal. J'ai rien dit, il y a encore un poisson explosif qui traîne. On va le laisser tranquille. Il faut ouvrir la cage aux oiseaux, disait-on. Mais cage aux Mmh. oiseaux, là. Je connais plus la cage aux folles que la cage aux oiseaux. Mais bon, ça, c'est encore une autre histoire. Oula. Dis-moi. Raté, raté. Et puis après, ils vont s'en prendre, il va pleurer. Non. Enfin, le fond, c'est la profondeur de cette île. Il y a au moins encore 3 poissons explosifs. C'est fou, en vrai. Trop loin. Une nouvelle lettre pour Clégor. Ah ben coucou Clégor et merci pour ton lurk. Mais qui c'est? Mais qui c'est? C'est le piaf. Pour ceux qui se souviennent de cette magnifique musique qui était plutôt cool, je trouve. Je suis à 23 minerais de métal. Et là, ok. Je vois, il va atterrir ici, droit devant. Oh putain, il a traversé l'arbre, le con. C'est du sable, ça. Il y a bien de l'argile, mais il y a un poisson, donc c'est non. Ah, là, je peux le toucher. Hein, d'après Poupon, Torota appelle ses conquêtes ma poule en même temps. Eh bien, vu le nombre. Mais sinon, toi, ça va, ma poule? Pardon, excuse-moi. Bah alors, Poupon, on répond plus. Fais pas ton timide comme ça. Ah, c'est bien, ils ont pensé à un effet, on va dire, subaquatique de la musique quand t'as la tête immergée. Le rendu est pas le même, c'est excellent. Apparemment, Poupon est en train de passer sous un tunnel, il n'a pas entendu ce que t'as dit, Torota. Ah, d'accord. Ouais, mais fais gaffe au nid de poule, ma poule, hein. Allez, Zou, je crois que c'est le dernier lancer de canne à pêche avant qu'elle se brise.
Là, il est sur toi, Torta. À côté. Ouais. Je pourrais pas, j'ai pas, pas le temps. Je suis mis avec une des chaussures. Bah, non, j'irai la ranger dans mes quartiers. Putain, je veux le tuer. Il y a un coffre quelque part. La terre longue. Il y a un coffre ici, plein de planchers de verre. Pas mal. Pardon ? Ah oui, ouais. C'est vrai qu'on a un élevage. J'ai dit, mais pourquoi j'ai entendu merci, Poupon. Un coffre ? A plus. Ciao, Poupon. Ciao, Poupon. Ciao, Poupon. Oula, il y a des heures récoltées. Bon courage, Poupon, bonne route. Fais attention à toi. Je vais mettre de la... de l'eau fraîche aux animaux. Ah. Mais laisse-les mourir. Ah, pardon. Oh. Mais non, mais non. Ils nous ont fait 4 jolis œufs en plus. De toute façon, ils peuvent pas mourir, alors. On est bon. Bon, j'arrive au pêche, je vous laisse. Non, mais, hé, hey, l'oiseau, reste vers ton rota, là. Oui, merci, bisous. Bah oui. Et le piaf, là, je suis exprès là pour... qu'on se batte ensemble, tu vas pas te détourner sur le petit Seb quand même. Allez, viens. Ah bah non, c'est de la truc, je suis bête. Viens là, le dindon, je vais te massacrer. Pourquoi ? Parce que j'ai envie. Et aujourd'hui, c'est journée spéciale volatile. Mais c'est pas drôle, je l'ai tué, ça donne même pas, ça donne rien. Toujours loin. C'est ça que je voulais faire. Je m'en souviens. Allez. Je pense que le requin est revenu. Alors, du poisson et du poisson. Ah, bien joué, Christelle. Oh, c'est quoi ce truc abusé? Même moi, je suis sur le... Ouais, une récolte. Oui, le piaf est mort, sa mère, pardon. Oh. Ah, eh ben, j'ai ton retard. Quelqu'un veut sa tête ou pas? Ou je la laisse? Non, ramasse-la, ramasse-la. Allez, on ramasse on la tête. C'est un rare, ouais. Pas forcément, bah... C'est sûr que c'est chiant d'arriver à le tuer, mais... Ouais, autant le ramasser. Hein. Et... Le piaf de mes deux... Oui, oui, ça titille le merde. Je vais retourner dans la cuisine.
Ouais, ouais, oui. oui, c'est ça. C'est par là, hein. Un truc à manger. Un saumon. Très bien, j'adore Ouais. le saumon. On fait fête en plus le saumon. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? De quoi? Non, j'ai mon Wizbot qui a banni quelqu'un. Ouais, moi aussi, ouais, c'est le retour des robots anglais là avec les pubs. Ah oui. Ouais, moi je l'ai eu quasiment dans les 5 premières minutes. Oh, le coffre qu'il est beau. Allez, on va voir ce qu'on a récupéré. Let's go. Alors, j'ai récupéré poudre explosive. J'ai récupéré jouet robot. Ah bon? Ouais. Et 5 minerais de titane. Bien joué. Il est où, monsieur Torota? En plein milieu, là où tu m'as vu combattre tout à l'heure, le piaf, en fait. Bon, d'accord. J'ai un cadeau qu'il veut. Parce que Torota, il est trop là. Moi, j'ai vu que dans ma boîte à nourriture, ah quelqu'un avait mis le chapeau du maire, donc je m'en suis caché. Ah, ouais, non, c'est moi parce que en fait je voulais m'en débarrasser, si tu... Tiens, Christella, là, je te mets ça dans le coffre. Là. Ah, le sac à dos? Mmh. Tu l'équipes sur une des barres de fringues là, de ton perso. Ah, ouais. Voilà. Ah, et Christella, tu ne dois pas avoir la tyrolienne. Comment ça se craft ça déjà? Oh, mais pas si quoi. Alors, il faut un de ça, il faut un de ça, il faut un peu de ça. Alors, on va peut-être repartir parce que ça fait combien de temps qu'on est sur Steam là? Ben, ça fait déjà une heure qu'on est sur l'île là. Enfin, ouais, moi, oui. Je pensais faire une récolte d'argile. Déjà fait. Ah ouais? J'ai ramené une dizaine d'argile en plus des 20 et quelques minerais. Ah, bien joué. Aïe, merde. J'ai pas vu que j'étais tombé de la planche et le requin m'a préféré à la base. Puis c'était là, elle est passée où? Elle est toujours là. Bon, dans le même coffre que je t'avais mis le sac, je te mets ta tyrolienne. Okay. C'est pareil, ça s'équipe au même endroit. Tu l'as équipé aussi? Ouais. Toc et ben tiens, dans le même, enfin je sais, dans le même coffre, Christella, je te laisse le petit jouet robot si tu le veux. On va le laisser à IG. Il est pas en fait, t'es en train d'insinuer que Christella est une enfant? Non, pas du tout. Bon, je laisse une tête de pief pour ceux qui veulent. Non, il y en avait déjà d'autres, non? Il y en a. Mais il y en a que deux. On en a que deux. Hein. On est dans 5 minutes, on vous entendra à bord. Ah, Christella, on va trouver ta tétine. Oh non! Ah, franchement, le sage, t'as bu. On a tous une âme d'enfant, quand même. Ah oui, ah oui, il faut. Bon, et ben je crois que l'on va lever l'ancre. À moins attends, parce que quelqu'un. Ah, c'est des cailloux. Ah si, là-bas il y a un petit peu de. Ah mais merde, c'est le monsieur du Monopoly là. Bah oui, tu m'étonnes.
Vous avez fait votre richesse comme ça, mon pauvre vieux. C'est ça. En écumant les fonds marins. À gratter l'or, le bord des îles. Prélever les plus belles pépites avec un cure-dent. Me demandez pas comment j'ai fait. Par contre, pour votre voiture, je sais pas comment vous avez fait, mais en tout cas, c'est pas ici. Hein. Oh, il y a déjà un peu d'échappement au fond de l'île, là, je le vois. J'ai déjà une pièce. Il a coulé avec, et du coup, il l'a échangé contre un radeau, et c'est comme ça qu'il est devenu cuistot. Bibi. Bon, allez, hop. Tu veux finir de tuer le requin, le sage, c'est ça? Oui. T'es où, saloperie? Bah oui, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il en a après vous, il vient plus. Si, il est juste en dessous du bateau. Ah, il est là, là. Ah, ben le voilà. Ah. Il est là. Oui, j'ai l'air d'essayer de le faire avec les mains, là. Oula. Incroyable. Attends, il y a des choses à récolter. Aïe. Ouais. Ah. Qui s'est fait niaquer? Qu'est-ce que tu récoltes? Aïe. C'est le singe. Allez, viens. Voilà, je l'ai tué. Ah ben voilà. Ah bah GG. Pour la peine, j'ai même récupéré la tête. Allez hop. Non, c'est pas ça que je voulais. On a 19 têtes de sanglier. Pour le carnage. Extinction de l'espèce, tout ça. On s'en fout. Hop, je vais me déposer. Passe. Je vais me mettre aux commandes et j'attends les ordres du capitaine. Et je me rattrape. Je me vengerai un jour, Dorota, tu sais. Le sage, il sait pas, mais je me suis déjà vengé sur sa base, sur Starbound en fait. Hop, en attendant vos ordres. Qui c'est qui a récolté les pastèques en bas? Ah, c'était moi. J'ai fait ça tout à l'heure et puis je me dis tiens, il n'y a plus de graines. Et c'est horrible, sur 4 pastèques il m'a redonné qu'une graine, c'est monstrueux. Ça a jamais alors, été si peu rentable. Alors, le sage, c'était sur 3 pastèques, t'en as oublié une. Ah bon? Oui. Je viens de la ramasser et du coup elle a donné une graine. Bah en fait sur 2 pastèques il te donne qu'une graine à chaque fois. Bon, j'en ai planté des pastèques, j'en ai planté en haut. Oui mais c'est que moi j'ai 4 plants de pastèques en bas pour fabriquer du carburant en fait. Ah oui, j'ai mis dans le coffre aussi les pastèques. Depuis quand on a du titane? Eh ben il a récupéré une caisse au tas tout à l'heure, il a dit il avait du titane. Dedans. Ah. Oui, 5 de titane. 5 en plus d'un coup. Putain. Oui. T'as une chance. Et le plus important, le jouet robot. Attention. Je sais qu'on a le chargeur de batterie, mais il faut faire attention quand même à ce que vous mettez dans le broyeur. Parce que là, il y en a qui ont rempli le broyeur avec le. Avec la batterie encore dessus. Le broyeur, en fait, faut mettre quoi dedans? Bah, tu peux mettre toutes les ressources de base. Tu peux mettre du cuir, du plastique, des feuilles, du bois. Mais tu peux mettre un peu tout ce que tu veux. Donc moi, j'utilise essentiellement du cuir, du plastique et des feuilles, puisque c'est ce qu'on a en masse. Voilà. Bon, du coup, si vous en ramassez, vous pouvez le stocker de nouveau. Hein, y a de la place.
Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut enlever la batterie. Et parce que quand tu mets une... si tu remplis le broyeur et que tu mets une batterie dedans, le temps que ça broie tout ce qu'il y a dedans, t'as utilisé la moitié de ta batterie, en fait. Mm. Et du coup, voilà. Donc quand, la... quand, c'est... quand il est vite, tu retires la batterie, tu re-remplis et tu remets la batterie une fois que c'est plein. Comme ça, tu utilises pleinement le potentiel de ta batterie. Vous pouvez lever l'ancre, s'il vous plaît. On lève l'ancre. S'il vous plaît. Ancre levée. Le gerbotron arrive. Ah oui, en effet. Oh vache. Ah. Il tourne. Oh la vache. Voilà. On va tourner un peu plus en douceur. Voilà, j'ai déjà mis deux coups sur le nouveau requin. Direction la nouvelle île, capitaine. Let's go. Et j'ai rechargé tous les moteurs, hein, si jamais. Ok, c'est parti. Si t'as envie de mettre le turbo, tu peux. On est... face au vent, donc effectivement, ça va être sympathique. Ouch. Ouais, avec les moteurs, ça change rien. Mais enfin, par contre, faut relever la voile. Mais j'avoue, c'est pas les mêmes musiques que le dernier épisode. Vous avez mis à y acheter la cassette du marchand, là, ou quoi? Oui, je crois que Toronto. Non, quelqu'un l'avait acheté, je sais plus. Alors, c'est sympa, j'ai deux rangées de deux rangées de patates, deux rangées de navets. Oh, merde. Ah, tu peux faire deux rangées d'ananas si tu veux. T'es pas obligé de mettre des pastèques. Pourquoi il y en a la moitié qui manque? Parce que j'ai pas assez de graines, j'avais que 100 graines. Mais de toute façon, je vais finir par monter toutes les cultures en haut, mais ça sera quand. Quand on aura le. Tu sais que tu peux l'économiser hein, quand même. Alors, l'encre. Tu vois le la manette jaune là sur le côté, c'est l'encre. Mais là, ça marchera pas. Ok. Ça marche pas avec l'encre qu'on a en fait. Ok. Oh. Ah ben ça y est, on commence à voir la nouvelle île. Déjà ? De l'histoire. Ah, c'est celle-ci. Ouf. On va faire Mumuse. Ah, il y a de quoi faire. Ça. On va faire Mumuse, c'est sûr. Là, il y aura de... Le sage qui était là, venez à l'avant du bateau, là. J'étais en cuisine, j'arrive. Peu importe, hein, tant que vous voyez l'extérieur. Oui. Ouais. J'arrive sur le pont, capitaine. Oui. D'accord, là c'est une autre dimension. C'est la cinquième. J'ai dû me tromper de pont. Le futur. Le futur. Moi, ça me fait penser. Ça me fait. Mais regarde devant, voilà. Le sage. C'est un dôme. Il y a plein d'arbres dedans. Des... Cette île me fait penser à Stargate Atlantis. Ah, je conçois. Du coup, je vais faire le tour du dôme parce que je sais pas où est l'entrée. Attends, si je prends à gauche. Avance pour l'instant. En fait, des entrées, il y en a. Partout. Plusieurs. Bébé. Il y en a plusieurs, mais ouais. Enfin, tourne. Ouais. Non, c'est pas l'entrée. On va tourner sur la droite alors, du coup, Torota.
En fait, la porte que tu as là, on pourra l'ouvrir, mais pas maintenant. Et je te dis à droite parce que je vois des flèches sur qui vont sur la droite, mais. Ouais. C'est une île qui est très sympa. C'est pas ma préférée, mais. Je vais ramasser un peu ce qu'il y a dans les filets. Parce que je suis sûr que ça a dû se blinder parce que j'ai mis plein de trucs passés. Oui, c'était un peu blindé, effectivement. Ah, il y a une voiture, voilà. Il doit y avoir des batteries alors c'est des voitures. J'ai fait une omelette. Ah, ça y est, je vois l'entrée, on dirait, capitaine. Ouais, il y a un truc sous le bord. Vous pouvez jeter l'ancre, s'il vous plaît. Attends. Essaye de tourner sur la gauche, tourne à gauche. Arrête les moteurs, tourne à gauche. Voilà, redresse. Et là, vous pouvez jeter l'ancre. Vous avez jeté l'ancre ou pas? Ouais, ok. Je pense que le mieux, ça sera de sauter du premier étage. Hop, il y a trop de la bouffe, parce qu'on sait pas ce qui va arriver. Ouais, refaites-vous une arme si la vôtre est pas complète. On sait jamais. Okay. Rechargez-vous en eau, n'oubliez pas. Faut que je mange d'abord. Hop. Alors, il faut remonter. Let's go. Ah oui, très bien garé, c'est parfait ça. Amarré. Pardon. Non mais c'est pour ça je te dis c'est mieux d'être à deux. Et encore, parce que le vent nous a repoussé un peu en arrière, on était un peu plus avancé. Ok. Je vais en profiter pour recharger les moteurs. Ici. Avant d'y aller. Alors, deux boulons. Wow, trop bien le dos. Pourtant, si c'est un dôme, il devrait y avoir du monde, il devrait y avoir du peuple. Il n'y a personne. T'inquiète pas, il y a du peuple. En autant de circuit, j'aimerais faire une arme dans la calme. Autant de circuit. On a 10 de titane, c'est bien ça. Tu sais ce que ça me fait penser, ce dôme? Vas-y. Ça me fait penser un peu au Futuroscope. Le même dôme, tu sais. Parce qu'ils en avaient un, non? Dôme avant, le Futuroscope. Le pire, c'est que j'y suis allé il y a quelques années, je me souviens plus. Le Futuroscope. Mmh.
Attends, je vais vérifier ça parce que je sais. Je vais voir sur Google. Le coffre qui est à côté de la fonderie. De la fonderie, oui. Ah, merci. Ah, je n'étais pas dans la bonne caisse. Hop là, voilà, les moteurs sont rechargés pour le départ ou pour se déplacer un peu plus tard. On n'a que 4 coffres de bois, même pas complet. Ouais, effectivement, il y en a un, mais je pensais qu'il ressemblait un peu plus à celui de Raf. Ok, moi je suis prêt. Moi aussi. On se retrouve tous au premier étage à l'avant. Non, même un rez-de-chaussée, tu l'as, c'est bon. Il n'y a pas de... Ouais, mais c'est mieux d'ici. On en est plus près. Ok. Alors, au premier étage. Il manque le sage. Viens, viens. Bouh. Ah 10h30, oh là là. Je t'ai réveillé. Ouais. Oui, ben, dépêche-toi, on vient juste d'accoster sur la nouvelle île. D'histoire. J'arrive. Plus vite. Marin d'eau douce. Seb s'est armé de son poisson. Une arme légendaire. Ah non. Ouais. Tout à fait. Sinon j'ai la machette, c'est légendairement efficace pour découper des têtes. Bon, il est où le sage ? Bah, je range les derniers plats raffinés que je viens de concocter. Il y a omelette aux champignons et poulet à la noix de coco. C'est bon. Allez, viens. Non, je suis derrière toi. Allez, viens. À la maison. Il est, je sais pas, c'est où, il est parti où ? Voilà. Il y a le printemps qui chante. Allez, YOLO du pont. C'est quoi ce truc ? Attention, le requin derrière. Ouais. Olé ! Merci la marée. Avancez jusqu'à l'intérieur, hop. Ici, non ? Oui. Youhou ! Faut attendre que la marée remonte et puis hop. Aïe ! La porte. Oui. Wow, c'est du bon matériel. Toujours pas de torche. Oh bien, attends, on va faire le tour déjà. Verrouiller de l'autre côté. Ce qu'on peut trouver. Ça, ça désert de les panneaux annonciateurs, indicateurs. Là, c'est, on dirait Fallout 3, le troisième opus. On se croirait vraiment dans un abri. Oh. Edge a rejoint le radeau. Ah oui, je vais guider Edge. Je reste à la baie de chargement. En même temps, il n'y a qu'un seul chemin. Hein. Bon, j'atterris dans les textures. Oh, l'eau, comme d'habitude. Mais pourquoi je suis de travers ? Ah, faut passer par en bas. Et Jeff, fais-toi de la bouffe, de la flotte et une pique. Il va y avoir de l'action, ouais, paraît-il. Ou une machette. Ma caméra, merci. Caméra 1, caméra 2. C'est quoi cette marée là ? Bah oui, mais c'est la houle. La mer bon, est la agitée pique, c'est aujourd'hui. Mais faut la bouffe. Oh putain, le cerveau. Oh putain, Laura. Sa mère. Je vais prendre de ça. Allez, Laura, il est mort. C'est bon. Permis de l'autre ça. Côté. Ok, donc il n'y a qu'un seul chemin, c'est par là-bas. Donc faut suivre les panneaux cafétéria. Hein. Mmh. Oh, mais moi je suis allé dans la cale, capitaine. J'ai tué un rat. Mais non, t'es avec Christella. Comment on fait ? Je suis en bas. Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis descendu. Okay. Où c'est oui, qu'il mais faut la cafétéria est en bas. Ah, c'est bon, t'es prêt pour l'aventure, Edge ? Il faut oui, sortir suis... par le, regarde, le là, devant Edge. Du bateau. Tu ah oui, je te vois. Il faut aller là, dans la gare métallique. Ah oui, mais ouais, ok. C'est là-bas la direction. Aïeul, regarde. Ah bah oui, mais de toute façon, tous les autres chemins sont des cul-de-sac. Bah, de toute façon, il y a des rats, hein. Ouais. J'en ai... Allez, viens. Oh, mais vous y êtes déjà.
Non, il n'y a que Attends, la Christella. mariée saute. Ah, oh, la coiffe de piaf te va bien. On dirait que t'es aztèque. Coucou. Bonsoir. Vas-y, viens, je ferme la porte. Qui est là? Le capitaine Pelé nous a redonné de pousser notre fond. On a dû échapper une flotte de radeau, je crois. Le réacteur va bientôt se chauffer. I sent the message up the tower. Il y a un problème là. J'espère que vous vous sentez mieux que moi, Annie, mais beaucoup mieux. Ils ont refait le skin des pièces de générateur, je m'en souvenais pas. Alors, le capitaine a dit cafétéria. On descend. Armez-vous du piquant, il y a des rats. Des méchants, là. Oh, ça c'est quoi? Cafétéria. Allez, le sage, il faut descendre. Vive, vive, vive. Saute dans le trou! Pardon. Non, j'ai peur de me casser la figure, moi. T'as pris cafétéria, Chess, c'est bon? Oui, il y a un rat. Ouais, il y en a là aussi. Ouais, mais au moins, c'est cool, ça nous fait pas mal de viande pour après. Bien joué. Alors ça... Ah ! Après, tu peux me laisser récolter. Hein. Ouais. Vous pouvez laisser récolter Christella et moi, puisque comme on a chacun un sac à dos, on a plus de place. Oh ! Ok. J'en ferai, je ferai d'autres sacs à dos. Enfin, je... Non, après, j'ai dit cafétéria, c'était au début. Quel étrange endroit. Ouais. Et bonjour monsieur. Bonjour. Merci. Cafétéria. Ah. Alors cafétéria. Générateur. Déception. Waouh. Vraiment étrange l'endroit. Ah, salut Christella. Bah là, là on tourne en rond, hein. J'ai l'impression que c'est un peu fermé partout. Storage area. La ferraille, on la prend ou pas la peine? Ah, récupérer tout. Même le plastique? Ah oui. Le plastique, j'en ai vidé pas mal de stacks pour mettre dans le broyeur, donc ça renflouera les coffres et puis ça retournera dans le broyeur. Si je te dis. Ah, il y a des objets là, Torosa. Tu peux le prendre, hein, t'inquiète, ça n'est pas de... Oui, vous pouvez ramasser, hein. C'est juste, voilà, si vous êtes un peu chargé... Vous un melon vert branché, capitaine. Ou générateur, plutôt. Le système est opérationnel. Je me souviens plus de tout, alors je sais plus exactement où il faut aller. Hein. Oh non... Il y a vraiment une logique à la Fallout 3 pour troisième opus. Ah putain, c'est quoi ça, mais... alors attends. Ah ouais, tous les coups. Ah oui, d'accord. Donc le point de départ, c'est le point rouge et le point d'arrivée, c'est la porte. D'accord. Donc il va falloir que tu fasses le Tetris. Oh non. Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Alors le point rouge, c'est pas le point de départ, c'est là où est ton aimant. Mais en fait, il faut effectivement faire un chemin qui va... jusqu'à la porte là-bas, jusqu'à la porte, et tu as les traits sur les... Mais quelle bande de maléfiques! Sauf que tu... Voilà, bande de mal au trou. Pardon, bon, ah, ça c'est comment fais-je? Voilà, faut que tu les déplaces, c'est comme, t'sais, comme dans le jeu où tu dois reconstituer l'image en fait. Donc il faut que tu arrives à libérer le passage. Je crois que j'ai oublié de préciser quelque chose, c'est que je suis pas doué. Alors attends. Bah sinon il y en a un, il se met dans le premier cube et on le transporte. Hein. Voilà, hein. Je suis déjà dedans. Bon bah on va transporter le sage. Ouais, c'est marqué MW. Sors le sage. Ah bon. D'accord. Ah oui. On va se faire broyer. D'accord, ok, je vois le cheminement à faire. Oh putain. On va faire ça. Ouais, celui-là, tu me décales et enfin, tu fais tourner en fait.
Après, si tu laisses vide, ça passe, du coup. T'es pas obligé, tu vois, de forcément d'avoir toutes les cases de coffre. Ah, d'accord. Bon. Bah oui, parce que, ah, regarde, le ça, j'aurais pu le faire, mais... Tu vois, regarde, hop. Moi, je vois effectivement là. Le coucou. D'accord. Voilà, mais bon, il faut quand même que tu arrives à décaler pour faire le chemin. Donc, du coup... Et il est où le sage ? Ça. Mmh. Où le sage ? Alors, moi, je suis parti faire... dans les couloirs. Ça. Ah, ok. Comme ça. Ça va faire. Non, pas celui-là. Celui qui a... Ouais, voilà, celui-là. Voilà. Le rouge de l'autre côté. Alors attends. Non, attends. En fait, ce qu'il faudrait, c'est que ton T là, gris, il faudrait que tu le décales à la place de la croix bleue, je pense. Tu vois ? Donc il faudrait les faire tourner, les 6 là. Ah oui, d'accord. Ok. Parce qu'en fait, moi, ce que je pensais faire, c'était de mettre justement celui qui était en haut, là, le carré, enfin le. L'angle droit, à la place du rouge qui est juste au-dessus du T. Non, tu t'embêtes pour rien. Parce que là, je vais même dire... si, prends celui-ci. Si, ça y est, je l'ai. Prends celui-là sur lequel T, décale-le. Vas-y, prends le rouge qui est à droite, là, juste avant la sortie. Voilà, maintenant le gris le plus. Non, le gris, ouais, voilà. Le plus. Voilà. Bon, le rouge, le T. Ah, alors attends, juste une petite soif. Vas-y, tu me dis, je vais tester le chemin. Ah non, c'est bloqué là. C'est bon là non c'est bon, t'as pas non, besoin c'est de déplacer pas... Non c'est pas bon parce que le ah oui le vert il est coincé. Non celui-là là c'est un il est coincé sur le j'y vais je teste ou ah non là tu bloques le chemin. Je sais que je bloque celui-là que je veux. C'est celui-là. Et je vais trop vite pour la grue des fois. Oui, on voit la grue qui se déplace, mais il n'y a rien. C'est bon. La glu. Alors hop. Ouais, nickel. Par là. C'est bon. Vous pouvez venir. Oh, bien joué. Je suis vivant. Et tout va bien. Surface access. Je peux voir là, il y a des... Eh oui, oh les bâtards, il y a une petite salle là. Ça. Ah ouais. Ça. Un plan de fuyau à eau. Il y a plein de... Et une... Oh, il y a des minerais de titane, tiens. Ouais, il y a du minot de titane, il y a des caisses avec des ressources. Ah putain de... Vous êtes passé par où pour être descendu? On voit pas le copain. Pardon. Mais t'es où Torota? T'es là? Ah ouais. Voilà. Mais du coup tout le monde a eu le succès de la salle cachée. Je sais même pas, j'ai pas entendu, non. 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 Bah moi je l'ai vu, je sais. Venez. Jeto Rota déjà en fait. Là. Et ici, là. Hop. Oh, oh là là, c'est... D'accord, ah, ok. C'est bon. Si tu l'as eu, on l'a tous eu. Bah non. Moi je l'ai eu, donc normalement tout le monde l'a eu. Mais oui. Là, ça me... C'est déverrouillé. Pardon. Mais ouais, mais il y avait du minerai de titane et tout derrière, c'est cool. Donc ouais. Déjà on a eu les tuyaux d'eau. Donc il y a une chance qu'on ait la réserve d'eau là. Et oh. Ça va être cool.
Alors, Christ est là, et il en manque encore deux. Voilà le sage. Tout se passe bien ici? Ok. À l'aide, au secours. Qui c'est qui ah oui, d'accord, oh putain. Ah, mais vous nous avez pas attendu. Ah putain, je savais pas. Alors, Capitaine, ça baigne. D'accord. Ça baigne. Voilà. Il y a une voie d'eau. Il faut aller où? Il y a la prochaine fois, vous apprendrez les autres. Ah bah c'est pas moi. En fait, la porte s'est refermée devant moi et le sage, donc on est à un autre endroit. Ah. Alors, j'entends des cris au-dessus de moi, le capitaine. Ah oui. Certains soutiennent la choix de Tulay, d'autres pas du tout. Un petit radeau est arrivé jusqu'à nous. Il n'y avait qu'un jeune garçon à bord. Ses parents sont tombés malades, je crois. Le pauvre petit ne parle pas beaucoup. Il y en a tiré de Tangaroa. On fiche le camp d'ici. Eh bien. En fait, Torota il a tracé, et du coup, bah, on est séparés. Mais. Ouais. Nous, on vient de rouvrir la porte ici. Oublie pas, si vous ouvrez des portes, ne les refermez pas, à part celle de l'entrée, je l'avais refermée, mais ça, c'est pas grave. Mais parce qu'il y en a d'autres, en fait, elles vont rester verrouillées. Ah. Ça, c'est la suite, mais je sais pas où sont. Ben les autres doivent être coincés quelque part. En fait, il faut revenir où on était, là. Ah, je vois Torota juste en dessous de moi. Ouais, qui risque bientôt de se noyer si ça continue avec mes conneries. Je suis dans la cafétéria. Reprends. Ouf, c'est bon. Compliqué, ce qui se passe, là. Non, plus... C'est tellement sombre. Cafétéria. Ce qu'il y a, c'est qu'avec le sage, on n'a pas eu besoin de faire tout le passage sous l'eau, ça c'était cool. Ah, super. Il nous faut 3 rubans adhésifs pour réparer l'électricité foireuse là. Bonjour Naïsé. Où il faut aller, sa mère. Moi je suis parti chercher Torota, mais. Ah, j'en ai récupéré un. Alors, que disent les notes? Non, surface access. C'est bon. Voilà des semaines que je mets le capitaine Tulay en garde. Mais pourquoi je peux pas monter sur sur l'échelle? D'en parler à qui que ce soit d'autre et ça me ronge de l'intérieur. Les bananiers ne reproduiront jamais assez de fruits, sans parler des infestations. Nous allons mourir de faim à la fin de l'année, peut-être même avant. J'ai trouvé Christella. Mais Torota est pas loin derrière. Du coup. Je vois ah si, je te vois. C'est bon. Ah, oh, une onde amphithérèse pour la culture de Nayone aujourd'hui. Et salut Nayone. Alors là, on peut respirer en remontant autour du panneau. Oui, on est 5 sur le jeu, Nayone, ouais. C'est par là, là. Hop, vous pouvez sortir de là. Il doit y avoir du ruban adhésif ailleurs. Eh bien, la petite sirène, elle sait pas nager pour sauter. Ah, si. Oh putain, je vais prendre cher. Ah, ils sont là. Ah. Et du coup, nous, on a pu ouvrir ici, qui est un chemin qui retourne un peu en arrière. Ouf.
enfin non, qui retourne pas en arrière, qui avance plutôt. Hop. Ah, il y a trois rubans adhésifs. Là, je suis à côté, ouais, si vous voulez. Vas-y, si tu peux l'atteindre, vas-y. Wow. C'est bon. Ah, t'es un chef. Merci, AJ. Pourquoi il y a toujours l'électricité? Ah, mais c'était juste pour ouvrir la salle. Les salauds. Salauds. Comment on fait pour... Petit Seb montre le chemin. Non, je monte pas le chemin, je fouille. Ah bon? C'est, bah, c'est une salle, elle est vide là, donc. Aïe. Ouais, y'a rien. Aïe. Et surtout, tenez-nous au jus. Dayone vous salue tous. Salutations, Dayone. Ah, oui, oui, oui. Voilà, ça on va pouvoir planter des graines de fraises. Oh, oh. Il y a un truc ici. Fraises. Il y a un système d'arrosage là sur les plantes, on peut l'avoir aussi. On a combien de rubans? Des graines de bananes. C'est une vraie guérilla à l'étage, qualité de scie. On essaie de réparer un bateau qui n'a plus de moteur. C'est vrai, j'ai pas. Je pense qu'on pourrait utiliser ceux des voitures de golf, c'est pas une mauvaise idée. Captain Tully, Captain Tully, vous avez trouvé. Les textes me cassent les couilles, moi. D'accord. Vous avez combien de trouvé de rubans adhésifs? Bah moi 3, non, mais... ça permet de réparer un truc. Non mais parce qu'en fait il en faut encore 3 autres pour stocker un autre truc et encore 3 autres pour stocker un... Enfin bref. Ah bah je vais chercher un. Ouais, ceux qui ont une hache, il faut couper les arbres pour avoir des graines de bananier là. Ouais, c'est ce que je fais. Ah non. C'est la banane de l'amour. Par contre, les petites plantes, non, on peut pas les récolter, y'a rien à faire. Non, il y avait un bananier dans la première salle qui était là. Ça y est, j'ai pris les deux. Non, dans la salle d'avant. Il y en a deux aussi. Ah bah attends, j'ai pas vu. Là non, il y avait rien. Il y en a un juste à gauche dès que tu rentres dans la salle. Aïe. Derrière toi là-bas. Et puis devant toi. Ouais. Tu. Ah ah, Nayone qui adore cumuler les directs sur la même activité, qui se plaint, qui dit AJ Club, les Cristella ne diffusent pas. Ouais. Et non. Attends, le ruban d'Izzy doit être ailleurs, non? J'ai regardé là, il n'y a pas. T'inquiète. Ils ont qu'à l'entretenir leur bateau. Bah ouais, c'est vrai, quoi. Le nôtre est bien entretenu, tout va bien. Oui. Bon, voilà. Et à chaque fois que je me sauve, je me prends un lampadaire, là. Aïe, oh putain, oh. Et moi je glisse. Oh, il y a une... Voilà. Vous êtes sûr, le ruban adhésif fait pas à la surface? Si, c'est possible qu'il y en ait à la surface. Ah, hein. Alors je vais regarder. C'est possible qu'il n'y ait pas tout ici. Hein. Mais il faudra redescendre quand on aura tout pour enlever le problème de surtension. Allez, je vais monter tout et... Aïe! Ah, on m'a attaqué! Au secours! Ah, j'ai un robot qui m'attaque, mais il est fou! Oh, robot, oui! Qui me tient au jus, là. Mais vous êtes fou! Pardon. Salut, ah, le sage. Oui, coucou, Edge. Attention, il y a un automate qui m'a agressé. Fuyez! C'est la fin du monde! Je vais étudier ton pattern. Aïe! Bon. Alors, ce qui va être intéressant, c'est d'ouvrir les sorties pour qu'on puisse rentrer directement. Eh ben voilà! Voilà. Alors, voyons. Voilà. Bah, du coup, ouais. Il fait le robot, mais la carte d'accès de l'île. Alors tous les arbres peuvent être coupés ici, hein, tous ceux qui sont au sol, hein, mais ça tombe bien, j'ai pas de hache.
Eh ben ça tombe bien, j'en ai une. Donc, bon après il y a aucune, on fera ça plus tard. Pour autant parce que ouais, tu ah non mais l'inventaire. Mais putain au secours, tu peux pas me barrer du robot. Je me cache en hauteur vite. Oh mais la sortie elle va être tellement bien placée là. C'est génial. Oh, y a un autre mot. Dorota, viens. T'es où? T'étais pas loin, non? J'arrive, je te vois. Tu sautes. T'es où? Ah, tiens, regarde la sortie où elle mène. Oh, ah oui. Ah oh, oui, ça c'est... Ah, c'est... Là, c'est calculé vraiment... c'est magnifique. Et nous, avec le sage, on est perchés sur les poubelles pour échapper au robot. Bah oui. Mais, attends, vous êtes où? Sur les poubelles, on est. Sur les poubelles, oui, oui mais il y en a plein. Bah, sur toutes les poubelles qu'on trouve. Ah. Vous êtes parti. Alors, je te suis. Je sais même pas si on peut les tuer, les robots, franchement. Si, si. Si, il y en a quelques-uns en pièces. Ça les assomme, mais ils finissent par revenir. Ouais. Ah bon bien. Ah merde. C'est pas la peine de s'acharner. Ah, vaut mieux les esquiver alors. Non, parce que il y a des pièces sur les robots qu'on peut récupérer quand on les a tués qui sont utiles. Donc il va falloir en tuer quelques-uns quand même. Ah d'accord. Ah ben c'est bon. Un robot KO. Pour acheter des trucs. Oui, il y a des producteurs pour des recettes, ce qui est très très intéressant. Bah, là, je sais pas si c'est des recettes ou des objets, parce qu'il y a le sac à dos, la machine. Il y a les deux. Je vais me refaire un plein d'eau parce que là, honnêtement, plat de cuisine. C'est trop fort. Là. Ça arrive dans le bateau. Tu as raison, Nayonet. Je vais boire un coup. Merci. On est des capitaines professionnels, toi. On sait garer un bateau. Exactement. Donnez-moi vos cartes d'accès, merci. Ah, t'es là, le sage. Bah, c'est bon, je l'ai tué, le robot. Oh, merci, tu es très fort. Voilà, c'est bon, il est là. Je te crois. Je lui ai foutu 2-3 tartes, ça va calmer. Tu viens avec moi, Jay. J'ouvre vers l'immeuble. Vas-y. Bah, tiens, ton chou, va te montre les gens. Voilà. Bonsoir. Oh, c'est beau. C'est un ascenseur. On le prend? Bah allez, hein. C'est le luxe. Cristal. Vous allez bon, on entre le 0 et le 8. Le 8. Fouillez bien tous les étages et faites attention, il y a certains bâtiments où vous pouvez sortir à l'extérieur par certaines fenêtres. Oula. Les sous-entendus, on peut se défenestrer, c'est vachement joyeux. C'est ça, le sous-entendu, vous avez besoin de la tyrolienne pour arriver sur le toit de certains bâtiments depuis les fenêtres de certains autres bâtiments. Y'a un rat. Oh le bordel. Oh la baignoire. Et moi y'a un rat. Attends, t'as besoin d'un coup de main, Jay? Ouais, c'est mieux. Bah, il est où? Ah, il est là. Ah, voilà. Alors, les jetons de distributeur, va bien falloir les récupérer. Parce qu'il va nous les falloir. Regardez parce qu'ils sont des fois sur des étagères et tout, donc faut tout regarder. D'accord, ah oui, bien scruter. C'est pour ça, il faut extrêmement bien fouiller. Hein, là. Oh. Bah ça me plaît, j'aime beaucoup l'idée. Alors, voyons, je vais prendre 0, 11, 13. Allez, go le 11. Tout. Il n'y a pas de... Ah si, t'as la musique d'ascenseur, c'est vachement agréable. Oh, ma coco dans le tiroir. Ah, ruban adhésif. Oh, bien joué. Bien aussi, hop. Il nous en faut au moins 6, hein, je crois. Donnez-moi tout, votre ruban adhésif. Il y a personne dans l'immeuble, mais bon. Ah, ruban. Oh là là, si vous êtes fort. On peut pas récupérer le cactus? Le monde entier est au cactus. Bon, j'ai ouvert toutes les portes qui mènent à l'extérieur du dôme. Oh, je vois quelqu'un en bas. Ah, il va falloir une machette pour ouvrir la porte coincée, là. Ah. Ben moi j'en ai une machette. Je vois quelqu'un qui court en bas et qui est au pied de la grande tour. Ouais, mais alors attends. Parce qu'il va falloir que je redescende pour que l'on se retrouve. C'est tellement grand ce bordel. Attends, moi j'explore où je suis, on verra après. Parce que là, tout le monde disperse. Ça va être le bordel. Ouais, donc les distributeurs qui sont au pied de la grande tour centrale, il faut utiliser les jetons pour les. Pour acheter des trucs dessus. Oh, des flèches, dis donc.
Je savais pas que les gens vivaient avec des flèches chez eux. C'est incroyable. Ah, il y a du PQ si vous voulez. Ah. Capitaine, est-ce qu'on peut en prendre pour l'esclave de Nancy? Ici, ça t'amuse. Sans offense. Hein, Ça va être chaud d'accéder aux. C'est quoi ces affaires de pauvres? Bon, je suis immobilisé, mesdames et messieurs. Oh. Ah, t'as sauté de trop haut. Le coup de la soif en combattant un robot. Ah. On ne l'avait jamais fait celle-là. Et du coup, j'étais trop lent et j'ai pas pu. Parce que je sais pas pourquoi ce robot-là il s'est dit je vais pas prendre. Enfin, pas que 3 coups pour mourir, je vais en prendre 5. Bon bah. Bah, que celle-là et le sache, je suis en bas de l'immeuble où on était. Ok. Ouais. Je fais un dodo. On peut pas aller à tous les étages. Là, je suis sur les balcons, les portes sont fermées. C'était où? Oh mon dieu, j'avais même pas vu la salle de bain. Du coup, j'ai soif, mais je peux pas. Attends, je sais même plus par où on était arrivé. Oh, avec l'ascenseur. Oh oui, je te vois en bas allongé alors bonjour, que le robot. Il monte la garde autour de toi. Ah, j'ai encore des bananiers à couper là. Je vais mourir de soif, ça va être incroyable. Par contre, moi, si je descends. Des cisailles! Wouhou! Super! Ah, mais ça c'est bien, ça tombe bien parce que les notes elles vont bientôt être. Ah non, ça marche. Non, c'est bon. Bon, attends, je viens. Ah oui, mais. Faut c'est ce qui me semblait, il nous faut encore 3 rubans adhésifs. Oh putain, le okay. Ah, ben en voilà un. Bien joué. Aïe. Suffit de demander, hein. Ouh, le chiotte, incroyable, qu'est-ce qu'il est bien. Ah, il faut le ramener au navire, c'est ça qui est terrible. Ou à moins qu'il y a un lit quelque part où on est, mais... Alors, attends, pour une... Alors, pour le ramener au navire, t'as pas besoin de repasser par les sous-sols, hein. Il y a une des sorties sur le côté qui mène directement au bateau. Faut que tu fasses le tour d'extérieur du dôme. Voilà. Ben oui, avec le capitaine, on a tout calculé, et on arrive pile poil de... Ah oui, c'est con, j'ai pas de quoi faire un lit. Et hey, coucou Yukine, hello les naufragés, ben il est où le radeau? Alors attends, j'ai un robot qui est ici. Vous avez vu comment on est trop fort, Christella? Allez, hop, voilà, merci, c'est Christella, merci. Aïe, au secours, j'ai un robot qui me court après avec son taser. Oh. Ok, la physique du jeu est magnifique. Je voyais une caisse sur un balcon que je peux pas atteindre. J'avais un grappin sur moi, je lance le grappin. Le grappin passe à travers l'immeuble comme si c'était du beurre fondu. Magique. Alors, je sais pas où vous êtes, comme il me faut quelqu'un avec une machette pour ouvrir les... Je suis au bateau, avec ma machette. Mais pourquoi il y a un toboggan secours dans le radeau? Le toboggan de secours, il est dans le radeau. C'est dommage, on peut pas glisser, hein, c'est dommage. Ouais. J'aurais passé la journée. Si tu glisses, tu rentres par la fenêtre. Je vais me faire le plein d'eau. Alors toi, le robot, je vais te foutre un paquet. C'est ce que je voudrais faire aussi, mais il n'y a plus d'eau en réserve. Ah si, c'est... là, il y en a un. Merci. Wouhou! Il y a un deuxième robot, il y a deux robots, fais chier! Je fuis! Fuyons! Des murs de beurre. Non, c'est pas comme ça, c'est. Courage, fuyons! Ah oui, c'est vrai, autant pour moi. Mais non, mais. Celui de Jay. Attends, je t'ai remonté, petit Seb. Pardon.
Ouais, mais je suis juste en haut, hein, je suis pas encore. J'arrive parce que je vais te montrer l'appart que j'ai trouvé. C'était un rat fantôme, oh mon dieu. Bon, de toute façon, avant de repartir, je vais refaire tous les étages, moi. Parce qu'il faut me gronder le fil les uns les autres. Ils ont bouffé ici, les rats, ils sont énormes. Ils ont rien à voir avec le paquebot du début, là. Oui, ah, mais que veux-tu? Des versions plus grosses. Des rats de compétition. Ah ouais, non, mais ils font peur. Non, c'était pas là, c'est juste après. Oh, un ascenseur. Ah ouais, le 8, il est là, donc c'est le 9. Appartement number 9. Oui, repérer les numéros, c'est plus simple pour se retrouver. Ah, j'ai un ascenseur qui donne sur le 8, le 6 et la base, le 0. C'est bon, ça. Ouais, vous voulez faire une descente de le frigo, mais il est verrouillé. Sniff, rien à manger. Oh oh, je dis ça, je m'aperçois que j'ai plus d'eau, moi. C'est dangereux. 11e étage. Nous voilà. Une porte au 11e et deux au 13e. Tiens, c'est quoi ça? Ah non, c'est un bouquin. Si c'est ici, c'est celui-là. C'est bien cet appart. Putain, y a rien à manger. Oh, la salle de bain, elle est magnifique. Ouais, je te suis. Je vais attendre que ma vie se remette à fond. Tout ça pour rien. Super. Si, il y avait une caisse avec de la bouffe et de la boisson. Et une noix de coco. Il y a vraiment un changement d'époque entre le moment où tu quittes le radeau pour débarquer sur l'île moderne. Oui. Ah, il n'y avait que la seule porte ici. Maintenant, c'est au 13e où il y en a deux. Non, mais je fais un tour. Ah oui. Bah regarde, tu vois, j'ai eu raison de faire un tour. T'as raté un jeton là sur le. Un jeton. Il était sur le comptoir. Là. Je retourne en Asie. C'est des grosses rondelles jaunes dorées. Au passage, le sage. D'accord. Je suis un peu à terre à côté. Bah t'es où? Pas loin de l'entrée où il y a le bateau. Justement, je me suis fait pincer par un. Oh. Attends, j'arrive au pire. Attends, moi je suis pas. Ah, c'est par là-bas. Alors. J'arrive, je vais regarder. Je crois que c'était. Tiens, bah, viens, t'es en retard. Là où tu es. Viens. Attends, je sais où sont les robots, donc ça doit être pas loin d'un robot. Regarde, ça c'est un jeton là en fait. Ah, je la vois. Ah, d'accord. C'est bon, je la sauve. Si. Ok. Alors, il y en a une ici. Hop, le ruban adhésif sur le frigo. Alors reste à savoir qui c'était là si je vais te planter une deuxième fois dans le parquet. Il y a un coffre-fort. Du verre, des boulons, du cuir. Hé, hey, c'était quoi ce coup de pique là, je l'ai vu. C'est pas moi. Alors il y a une autre porte. Mais ça devait être de l'autre côté, le truc. Ouais. Alors. C'est surtout de l'eau qu'il nous faut. Soit j'en ai vu deux, soit j'ai vu un mirage. T'as dû voir un mirage apparemment. Bon, ben, j'ai vu un mirage, incroyable. C'est pas ouvert ça. Par contre, ici on peut sortir. Où ça? Ah non. Alors. Je suis en train de préparer de quelques trucs. Attends, qu'est-ce qu'il y a là? C'est du poulet à la noix de coco. Ça va te requinquer. Oh non! Oh non! Tu l'as mis où? Oh putain! Là, il est sur toi, recule un peu. Voilà, il est pris dans la houle, là. C'est bizarre, mais... Chuté. Ah ouais, alors là... Ouais, mais je suis pas mort. Non, tu le vois pas? Non. Mais faut le mettre dans un coffre, c'est plus simple. Oui, ouais, on va faire dans un coffre. Je rappelle l'ascenseur. Bah tiens, le coffre là, bouge pas. Voilà, en bas, le centre en bas, vas-y, c'est pour toi. Ok. J'arrive, 13e étage. Alors, le toboggan de secours, t'es obligé de me soulever à chaque fois que tu passes dans le bateau.
Ouais, c'est un moyen de faciliter, t'as même pas à nager et te faire croquer le fiac par le... Mais pardon monsieur, mais... le passage, mais... Je fais ce que je veux, je passe où je veux. Oh... Moi je dis ça, c'était juste pour... Et c'est un ragoût de poisson simple qui arrive dans le coffre. J'ai fait le tour, faut monter ici, attends. Ah oui, ok. Ensuite, hop, on doit faire hop, ça. Et hop là. Voir le jouet robot, ça me fait rigoler. Ah mon dieu. Hop là. Youhou. T'as été dans ma chambre, le sage? Là, on a une entrée, mais je vais voir si autour il y a autre chose. Mais... Ça va venir avec moi. Il y a rien d'autre. Vas-y, voir, je te suis. Vas-y, Jay. Vas-y. Vos histoires. Hey. Deux rubans adhésifs sur la table. Regarde, plein de déco. Voilà. Ici, c'est un atelier à peinture. Oui, je me souviens, tu me l'avais montré, l'atelier à peinture. Ouais. Là, c'est un morpion. Ah, un jeton. Ah, trop bien. Puis. Ici, il y a un globe, il y a une plume, il y a un compteur de fondation, il y a un bouquin, il y a ça aussi. Tiens, si tu veux défenestrer le rat, petit Seb pour récupérer la viande, puisque t'as un sac à dos. Quoi, j'adore. Oh, c'est et bon, ici, il y a tout plein de peintures, si tu veux voir toute la peinture que j'ai. Oh, il y a un billard, ça vous dit, les gars? Oh, c'est trop beau. un billard. Trop bien. On peut s'en servir, au moins? Non. Ah, merde. Ah, c'est mieux. Je vais prendre de l'argile, moi, enfin... Parce qu'il faut refaire des bols. Mais non, faut faire du soin avec, là. Cataplasme de médecine. Après, bon, oui, si vous pouvez faire quelques bols aussi. Hein. Mais c'est ce que je disais avant que t'arrives, Edge, c'est que c'est bien qu'on... refasse le stock de choses grillées parce que pas qu'on est un peu juste mais un peu quand même hein, des fois et c'est même pas oh c'est quoi ça oh, une flèche ouais non pour moi. Vache, il y en a des choses. Là, c'était le billard. Là, il y a quoi? Oh, ça se ponce. Ah non, dommage. C'était un tuyau coudé, ça aurait pu être pratique. Waouh! J'ai encore du ruban. Quel étrange endroit. Ah, je vois quelqu'un sur un toit, c'est qui? Ça doit être moi. Oh oh. Ah, une caisse à outils, deux charnières, deux boulons, deux ferrailles. Pas mal. J'ai trouvé tellement de trucs. Je fais que y est pour l'instant. Petit. Ah, je suis passé par le balcon, c'est pour ça. Non, je pense qu'on a fait le tour ici. Attends. Là, t'as regardé les tiroirs. J'adore l'ambiance, je suis à fond dedans. Hein. Je veux dire, heureusement que vous n'êtes pas agité dans le chat parce que je vous ignorerais honteusement, copieusement parce que je suis à fond dans le jeu, j'adore. Une caisse, hop. Oh, j'ai trouvé un lingot de métal. Oh. Ça, c'est cool. Bon, mais je crois qu'on va pouvoir y aller parce qu'il y a un ascenseur. Ouais, on est au 14. Ah, ben cool, on va aller au 12. Vas-y. Oh, j'ai gagné une betterave. Tu prends celui de droite ou de gauche, je vais à l'opposé. Ouais, je vais à gauche. Oh, des bureaux, plein de bureaux. Coucou. Hey, je suis parti à gauche, je suis revenu à droite. Ah. Tu devrais finir de fouiller la salle où on est. Ah. Non, Christella est pas très loin de moi, je vois son nom à travers les murs. Oh, oui, je suis, je fais Spider-Man, moi, je suis carrément collé sur une façade de l'immeuble. Oh.
Parce que moi je suis un. Je sais que j'ai moyen de descendre pour me vautrer, ben voilà, aïe. Hop. Ben voilà, bravo Christella, on essaye de t'emmener dans l'aventure. Toi tu t'emmènes toute seule dans le danger, après on va devoir venir te récupérer. Bah non, je suis une grande fille, je vais me défendre. Ah oui, c'est vrai, le balai. Ah merde, de l'intérêt de la machette, ok, je viens de comprendre, il y a des apparts qui sont scellés là. Oui, et puis je rappelle que la machette fait plus de dégâts que la lance aussi. Ah, bah quand je reviens à bord, je me fais une machette. Wouah! Alors, Exigule, salon, mais je l'aime bien. Relou les robots, de Dieu. Bon, après, les robots, au bout d'un moment, faut les esquiver. Hein. Il nous reste combien de cartes là? 3. Wow. Je sais pas si c'est suffisant, mais. J'ai trouvé un endroit où c'est pas ouvert. Comme il y a un robot là, je suis coincé. Oh, j'ai gagné une flèche de pierre. Tiens, bim. Ah merde, il y a un ruban. Ah, je suis coincé dans le décor donc. Qu'est-ce on a combien de rubans là? 8. Bah oui, mon chat fonctionne bien, Nayone. Pourquoi tu crois qu'il y a une panne? Il n'y a personne qui parle, ça le perturbe. Ah, peut-être. Ok, c'est opérationnel. Tu oh, le salon, il est vraiment classe. Ouais, je suis dans une chambre. Merde, j'ai perdu là. Je pense qu'on a fait le tour, Torota. Hein. Bon, c'est beau, ah. J'adore le style. On avait raté ça. Allez, moi je suis à l'ascenseur. Oh mon dieu. C'est une flèche de métal. Je vois des choses sur les toits. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Donc on a fait le numéro 9, et là faut qu'on regarde à quel numéro on est. Moi je suis au numéro 8, qui apparemment est fermé. Mmh. Ah ben bonjour Christella. En fait, si tu veux, on a fait le numéro 9 et on utilise une tyrolienne pour arriver au numéro 8 apparemment. Voilà. Hop, il y a le 4 qui est à côté. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut rentrer dans celui-là? Je sais pas. Tiens, hop, c'est bizarre, c'est quoi ce parcours là qui propose? Y'a pas un mur secret, y'a pas une pierre qui non, se pose. Non, y'a rien. C'est bizarre. J'ai la mise. Vous avez fait qu'un numéro? De toute façon, moi je compte repasser par tous puisque j'ai la machette. J'ai le numéro. Il y a le étage 6 et 8 ont été faits ou pas? Moi je sais même plus dans quel étage je suis. Donc, parce que là il y a bâtiment 2 qui est pas très loin de là où nous sommes, petit Seb et Christella. Je viens d'écumer un appart. Oh, mais je crois même plus pas mal ça. Moi je viens d'ouvrir le 5. Et moi je suis par terre. Oh. Ah, t'es par terre où, Christella? Pas loin du d'où on était là, le 9 ou je sais plus. Ah, il a été visité, donc c'est pas la peine. T'es passé juste devant moi quand je suis tombé. Bon. Ah oui. Ah, j'ai fait le numéro 2 moi. J'étais à l'adresse numéro 2. Ah, ok. C'est bon, je te sauverai, Christella. Donc, on a fait le 2, le 6, le 8 et le 9. Ouais, mais je vais. Le 2, le sage a dit qu'il y avait besoin de la machette, donc faudra que je le fasse. Oui. De toute façon. Hop, quelqu'un est au numéro 5 ou pas? Ah non, c'est ça. Le numéro 5, je l'ai ouvert, mais je suis parti puisque j'ai récupéré Christella, je vais la ramener au bateau. Oh putain, il faut que j'aille au bateau, vas-y. Mais aussi, il y a pas mal de choses dans les histoires. Je vais me faire une machette et puis ça sera bon. Il n'y a pas de temps limite, Nayone. On peut rester un peu tant qu'on a des vies. Tu vois, et moi je te pose en douceur, pas sur le sol, mais bien dans un lit. Oh Oh punaise. Ah, là.
Ouais, tant qu'à faire, faire un petit peu le plein. Oh, c'est dommage, le 8 ne s'ouvre pas. C'est quoi que j'ai? Cocktail aux fraises. Mmh, miam. T'as une envie de déguster ça. On avait déjà la recette. Hop. Ça passera à la poubelle plus tard. Mais merde, il est où le... La radeau, là. Oui, moi aussi, je le cherche. Ah, ben, c'est bon. On a un nombre de... On a cinq... plus de 5 stacks de charnières, à force d'en récupérer. C'est bien. On n'en a pas crafté une seule. C'est bien, c'est bien. C'est bien, et c'est insane en même temps. Hop, j'ai 3 steaks que je vais poser... Laisse-moi passer le minerai de titane. Ce bonhomme, mais deux. Le mets dans le coffre à côté, il va fondre le minerai de titane. Oui, oui. Ou tu le mets à cuire hein, s'il y a de la place. Mais c'est cool parce qu'on trouve pas mal de minerai de titane. Donc on va pouvoir faire pas mal de choses, je pense. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Allez, de la bouffe. Il est beau le navire. Bilou niaise. Allez. C'est bon, le requin vient d'essayer de nous. Merde. Il me faut une machette. La machette. Lingot et boulon. Le plan que j'ai eu tout à l'heure, je peux mettre à la poubelle. C'était quoi le plan du tuyau? Chihuahua, ouais. Ouais, c'est bon, j'ai déjà appris. Ok. Ok. Attends, ah bah, je vais faire le 2, puisque le sèche l'avait piqué. Oh, j'ai lu. Ouais. Alors, attends, j'ai trouvé filet. Ah ben ok. Ça va se mettre là-bas. J'ai même pas vu tout le bordel que j'avais hop, sur moi. Le sage, j'ai oublié un ruban. C'est vrai que les objets, si t'as pas l'habitude, il y en a certains qui sont petits et... Mmh. Hop, les cisailles. Hop, il y avait ça aussi. Je suis à combien de rubans là? 10. Alors, il reste encore un immeuble, enfin des immeubles à regarder ou... Oubliez pas qu'il y a certaines portes qui sont entrouvertes qu'on peut ouvrir, hein, même si. Donc visez bien toutes les portes, tous les casiers au cas où. Ah, là il y avait du carburant dans un coffre, ça c'est cool. Je sais pas si tout est ouvert, il nous reste encore une carte, hein, je crois, pour l'instant. Ah. Alors, quels sont les bâtiments que l'on a fait? Le 5, le 8, le 9, le 2 a non, été fait aussi. Le 5, tu l'as fait? Pas encore. Je ah, peux y aller si tu veux. Donc, le parce 8, que, là, le 9, c'est ouais, fait. Aller. Et le 2, je suis en train de le refaire. Là, je suis en train de fouiller les portes qui étaient. Je vais refaire un tour pour vérifier qu'on Tiens, il y a un autre immeuble, je sais pas. Ah, mais l'étage 8, ça, je l'ai. Ah, mais fait. 14 et 12, c'est ce que j'ai fait avec toi. Non, moi, c'était. Non, avec moi, c'était 8 et 9. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est... T'as dit 14 et 12. 14 et 12, c'est les étages. Ah! Et la tour au milieu, on y a accès ou pas? Oui. Hop, la 2. Mais en fait, bon, c'est juste pour pas perdre de temps. En fait, si on n'a pas réparé toute l'électricité dans les sous-sols avec les scotch, on pourra pas la faire complètement. On va être obligé de faire des allers-retours. Donc. Voilà. Oh, et, tiens, il y avait une note là.
Le sage Christella et Jay, n'hésitez pas à revisiter par exemple les étages les bâtiments 8 et 9 qu'on a fait avec Torota si jamais on a raté un truc. Ok. We need to hurry. Those large rats that came with the rafters are aggressive. I say let them chew Tangaroa into pieces. Que, hop, voilà, on trouve encore des choses qu'il y en a certains qui se posent à côté. C'est possible. C'est possible dans tous les sens. Le sanctuaire. I'll see you there. Dans la narration, il parle d'un sanctuaire Utopia. À Utopia. Oh, mon premier minerai de titane. Utopia. Chose en face. Alors, je me souviens plus, est-ce qu'on peut faire ce saut là ou pas? On a mouru, mais... Raté. L'ascenseur ici. Et du coup, t'es en train de faire le 5, Torota? Non, tu me disais que t'y étais, donc... Ah non, moi j'étais au 2. Bon, bah tant pis, je suis au 5. Alors, là, il faut monter par là. Hop là. Ça monte jusqu'où, ça? Oh putain, je l'ai pas entendu arriver. Saleté des draps. Ah, moi je crois que j'ai trouvé un endroit secret. C'est dommage, il a pas été exploité. Il y avait une petite ruelle planquée derrière un bac poubelle. C'était pas mal. On pouvait y mettre un cadeau bonus dedans. Le cadeau bonus d'aujourd'hui est... On ne le saura pas. Oh, coucou voisine, comment ça va? T'avais pas vu qu'il y a derrière. Je vais dessous. Oh, j'ai raté mon saut. Ah, t'as besoin de... Oh, plagiaire. Tout a été fouillé. D'accord. Alors, je pensais pas arriver là. Vous êtes dans quel bâtiment? Moi, j'étais dans le 8, mais j'ai sauté sur le bâtiment d'à côté, donc je sais pas lequel c'est. J'en trouve des jetons, c'est ouf. On est à combien, là? 16. Oh, il y a une tyrolienne ici. 17. Bien. Ah, salut, oh. Torota. Salut, petit Seb. Bienvenue au bâtiment 2. Merci beaucoup. Oh, mais... Oh. Plein d'objets, je suis en train de faire le Yamakasi sur les toits, là. Ouais. Ah, mais toi aussi, parfait. Mince, je me suis raté. Oh, mais je me... Aïe. Le robot de mes deux... Cours, Torota, cours! Non, ça va, il a abandonné le robot. Cours, stérisme. Oh, il y a un truc caché là. Deux charnières, un lingot de métal, une troisième charnière, deux morceaux de métal. Nice. Où je descends. Sacré naïonné. Il y a des trucs à faire là-dedans. Hop. Il y a que les sorts. J'aurais su.
Et je vois petit Seb en train de sauter partout. Dans un temps lointain, je faisais partie des Yamakasis. Ah, c'est une réincarnation, alors. Tiens, Non, c'est non, pas c'est juste que je vieillis pas. Je suis magique. Porte est verrouillée de l'autre côté. Ah, alors attends, c'est quoi ce truc-là? Comment on va pouvoir déverrouiller de l'autre côté ce bâtiment? C'est pas le bâtiment central que tu es en train d'essayer de regarder? Si, si. Bah, tu le sauras un jour. Un jour, mon fils, peut-être. Est-ce que celui-ci on peut rentrer dedans? Oui, apparemment. Salut, J'ai robot. vraiment tout fait ici. Oh la vache. Ça me rend fou. Non, C'est mais quoi me le numéro tassez pas celui-là? des robots de B2, là. C'est bon, ça suffit. Je tiens à mes fesses. Bon, il t'offrait une épilation gratuite. Une épilation à l'électricité, je veux savoir Ah, salut comment Sway, comment tu vas? ça c'est pour bien tendre le poil avant de le couper. Oh putain! Oh purée! Ah mais oh! J'ai pourtant pas fait partie du groupe des Bee Gees, donc s'il te plaît! Non. Pas mal ça. Eh ben voilà, j'ai ma barre de faim et de soif qui sont remplies et surchargées. Oh, c'est Donc tout beau. va bien. J'aime trouver des choses à manger dans les maisons, c'est cool. Ah mais oui, là on peut monter, mais je verrai après. C'est vrai que ces apparts C'est la sont même. majestueux, mais la vache, ils sont grands. C'est dommage qu'on puisse pas conduire une des Voiture de voitures golf. là. Ah ouais. Ah ouais. Ça, t'es rigolo. Oh, story. Mais écoute, ça va bien, Sway, ça va bien. Là, Edge qui se manifeste sur mon chat. Edge est déchaîné. Mais... Ouais, je sais pas, on l'entend pas beaucoup, je trouve. Tiens, il y a le bâtiment. Hein. Il a été fait le bâtiment, oui, apparemment. Aucune idée, je sais pas lequel c'est. Je l'ai vraiment trouvé vraiment par hasard. Par Étage. hasard. Par hasard, Par hasard. Une carte. Tu, Oui, le tu. bâtiment, c'est Ouais, celui de ça a été. l'arbre. Ah, alors, j'ai une mauvaise nouvelle à annoncer, dans le sens où la fouille a été mal faite. L'un d'entre vous s'acharne sur les tiroirs des cuisines inférieures, sauf qu'il y en a des supérieures. Oui, c'est Faut vrai. lever la tête. Et même Mais des placards. tu vois, c'est pour ça le stage que je disais, il faut refouiller derrière les autres, quoi, parce que Ouais. on peut très vite concentrer sur un truc, on peut très vite rater autre chose. Oups. Ouais, non, c'est bon. Hydrater le Bon alors, sage, comment ça pas tout rasé? ce côté est fait. Mais putain, mais je me saoule ces robots là. Non, mais le bâtiment, il a été fait puisque je crois que c'est le bâtiment que l'on a fait. Ok. C'est Ah. ça. Ça doit être c'est toi, Torota, qui court avec une machette et deux robots au cul? Non, c'est moi. Ah, Oh, pour une c'est moi qui fois. crois le sage. N'importe quoi. N'importe quoi. Non, ça on verra plus tard. Et il faut du coup que je passe ce bâtiment et. Tut En dessous. Ah oui, il y a un autre bâtiment 2 là. Oh, Ah, il y a un 2 bis. D'accord, que j'ai rien loupé là.
Hop là. Attention, j'ai un robot aux fesses. Oui, je le vois. Moi, je m'en vais. De toute façon, on est à 14 rubans, donc il doit nous en manquer au moins un. 18 pièces, ça c'est cool. Oh, coucou Adjé! Salut, aïe! Pourquoi je veux de l'électricité là-bas? Oh oh, il y a un robot. Et il voilà, s'appelle Nono, le robot. Oublie-moi. Eh oui, c'est moi, Nono, le tout petit robot. C'est une version que je connais pas. L'ami d'Ulysse. C'est qui Nono, le petit robot. C'est comme ça que ça se chante. Non, je t'ai renvoyé l'ascenseur, je sais pas qui c'était derrière moi. Mais... C'était moi. Alors, chercheur. Attends, c'est qui en a. J'essaye de trouver le moyen de monter sur le toit de ce petit immeuble. Parce que ça doit être possible. Ah, c'est là, coucou. Oui, il y a une fenêtre cassée là. On doit pouvoir passer par l'extérieur. Comment je vais arriver? La terrasse d'un bâtiment 6. Oh, c'est la merde. On dit, ba... oh, ouais. On dit bâtiment numéro un tel, mais en fait c'est les numéros de rue, c'est pour ça que. Notice, Kaker de Reader, out of order. Please use elevator in a plantation area. Il y a piano à queue en vente, c'est fou ça. On va m'expliquer comment le distributeur délivre le piano à queue. Ouais, enfin pour l'instant, achetez rien au distributeur. On va voir en fonction du nombre de jetons qu'on a. Parce que. Mais ça, c'est un instrument de Johnny, ça. Non? Waouh, pas acheter des végétaux. Parce que le piano a queue. Très bien. Très bien. Merci, merci. On peut acheter des Picasso. C'est pas le moment, c'est pas le moment. Ah, oh, mais c'est pas vrai. Qu'est-ce que tu veux avoir, celle-là? Ouais, j'avais plus de trucs à bouffer, je t'aurais. T'es où? T'es en haut? Je sais pas où je suis. Ah, mais. Ah, bon. Tu t'es fait avoir de la par chance, je sais où elle est. Tu t'es fait avoir par un robot, Christella? Ouais, ouais. Ouais, donc ah. Elle est forcément au sol. Merde, ah bah tiens, j'en oui, mais je sais pas. Je sais pas à quel endroit exactement. Bon, je vais aller voir. Le robot. Ah bah, juste là. Bah, là, juste là. Bon, bah, ça va. Ouais, ouais, c'est bon. Ah bah c'est cool. Attention, esquive de la loutre. Hop là. Hop là. Esquive de la loutre, ok. Ouais, il y a aussi l'esquive du pingouin. Hein. y avait le bâtiment n'avait pas été bien visité ici. Ouh, le coffre. Trois bougons, allez hop, ça c'est fait. Et le ruban adhésif. Oui, Odo, il a raté ton coup là. Tiens, c'est sympa, je t'ai mis dans. Toi aussi, tu l'as planté, Jay. Hop là, et voilà. J'ai mis, en fait, je voulais ouvrir la porte de sa chambre, sauf que en même temps, le jeu il a dit non, tu la poses. Ouch. Je voulais la mettre dans son hamac. Allez, bâtiment numéro 6, là, il est par là. Ça, c'est le numéro 3, je crois. Ouais, c'est le numéro 3. Ouais, je vais faire griller des trucs. Normalement, c'est le dernier immeuble, j'ai fait tous les autres. Le numéro 6? Ah ben, j'y suis. Salut. C'est là où j'ai trouvé le ruban et la pièce. Et le petit coffre. Ouais, mais il y a aussi des fenêtres pour sortir normalement. Pardon. Monsieur le robot, veuillez mourir. Cordialement la direction. C'est ça.
Veuillez retirer le taser, s'il vous plaît. Hein? Détruire 10 robots. Oh. Excusez-moi, voilà. Monsieur Nayene. Je me détends. C'est beau. Oui, alors attends, je vais pas fouiller le toit tout de suite, même si ça pourrait nous aider. Alors, quand j'ai compris que c'est un centre dans le jeu, j'ai pas la joie de voir le spectacle vidéoludique qu'ils offrent, peut-être une autre fois. Oui, peut-être une autre fois. Alors attends, parce que là, c'était le 8. Celui-là, c'est quel bâtiment? Le 9? Cheeseburger! Est-ce que je tente le saut de la muerte de la côte? Ben voilà. Comme ça. Je sais plus si on peut y rentrer dans celui-là. Je crois pas. Wow, magnifique. T'as vu? C'est comme ça qu'on fait. Je rigole, mais j'ai serré les fesses quand je suis sauté de l'un à l'autre. Je vais le faire, vas-y, tant pis si je dois être KO, mais pour le fun, vas-y. Vas-y, je t'observe, c'est filmé, enregistré, point de vue extérieur, vas-y, ouais, bonne entrée. Fais gaffe, t'as le robot au cul. T'as l'empris. Robot. Allez, bon jeu. Merci, à plus Nayone, bon app. Robot, ouais. C'est mort. C'est bon. Allez. Par contre, faut que je fasse gaffe, j'ai plus beaucoup de vie. Oh non, c'est une pile de livres. Tiens, tyrolienne. Je vais arriver à prendre 7 tyroliennes là. Ah merde, je suis tombé. Ouais, je vais aller reposer tout ce que j'ai au bateau. Ouais. Parce que... Ah oui, je vois de la tyrolienne dont tu parles. Ok. Ok, alors attends, mais il est de... sur lequel bâtiment? Sur celui-là. Le 5, 6. Le 6, ouais, je crois. Donc on va monter au 6. Let's go. Et encore des charnières, on n'en avait pas assez. Donc il faut passer par le 5 pour monter sur le 6. Parce que le 6 est inaccessible. Comme ça, je trouve. Level up pour Christella et Clégor. Pardon, je le dis que maintenant. Oh bah non, je pensais que j'allais... Oh. Ah non, aïe, oui. Je pensais que je vais réussir. Et... Là, il y a quelqu'un qui a piqué toutes les flèches. Ah, mais non, elles sont là. Alors, j'ai ça au même endroit. Je suis sur le mauvais bâtiment. Summer. Pardon. Tac. Moi, je fais cuire. S'il y en a qui veulent. Moi, je prépare des plats. J'ai encore un bouillon que j'ai piqué. Si tu veux un bouillon, j'en avais. Non, mais j'en ai un justement, c'est ce que je dis. Ok. Je prépare quelques plats, comme si vous voulez. Ah, bien. Alors, le bâtiment 6. Ça, c'est... En fait, on dit ralentissez sur les pas, faites griller des choses, mais Jay t'as toujours pas compris. En fait, il faudrait rajouter 2 barbecues. Parce que 2, c'est pas assez. Non, mais en fait, je voulais le faire cette Chris semaine. Game, comment vas-tu? Mais comme on n'a pas joué avec Dorota, on n'a pas pu.
Mais si là, dans la semaine, il va falloir. Ça va. J'espère que toi aussi, que tu vas bien. Il va falloir qu'on farme et qu'on arrive à faire la cuisine. Je veux faire la cuisine. De la cuisine. Cette musique. T'es où la sortie? Elle était où? Merde, t'es parti trop vite. T'es pas vu. Là. Ah ouais. Là, tu me vois. Ouais. Ah ouais, ok. Allez, let's go. Bonjour tout le monde, ah, déjà 2 ans de soutien. Je n'ai pas visité cet endroit. Je l'ai. Et là tu tombes. Alors attends. Peut-être. Okay. Le sage, regarde. Qui y a ça donne envie. Ok. Bien. C'est bien, cuisine bien. On prend des risques insensés avec Tisseb, mais c'est trop cool. Ouais. Non, c'est le bâtiment. C'est quel bâtiment qu'il nous faut? Mais c'est celui-là. Hein. Je suis pas sûr. Fichtre, merci pour ta générosité. Les gains des abonnements, entre autres, vont dans la cagnotte de la chaîne qui permettront d'acheter des jeux, de faire des projets en commun. Je vous tiendrai au courant. Wow, oui, merci là, et bisous. Merci et bisous. Merci et bisous. Merci et bisous. Là. Ouais, bien. D'accord. Non, parce qu'il part bien de dessus, hein. Ah oui, non, d'accord. Tu vois ce que tu veux, d'accord, ok. Faut qu'on aille à celui d'à côté. Donc non, en fait, c'est moi le saut que j'ai fait pour venir là où je suis, en fait, c'est pas ça qu'il fallait faire. Ouais, je vois ce que tu veux faire. Donc il faut retourner sur ce bâtiment-là. Il faut redescendre. Bon, je vais redescendre. Et hop. Oh putain. Et salut tout le monde. Ah, vous avez le salut de Chris Game. Mais salut, salut. Bonjour Chris Game. Hop. Ah ouais, donc c'est bien sûr celui-là, effectivement. Bon, moi je suis déjà en haut et je t'ai renvoyé l'ascenseur normalement. Bâtiment 6. Alors attends, parce que. Mais, ah ouais, mais c'est le bâtiment qui est. Ouais, là on n'est pas. Attends, parce que. Pourquoi il met. Attends, parce qu'il y avait une note là sur la porte du bâtiment. Ah non, mais ça y est. Oh là là. Ah, tu t'es replanté? Non, je me suis pas planté, je suis descendu exprès. Il faut qu'on aille dans les sous-sols réparer l'électricité pour monter par l'ascenseur. Ah. Ok. Ah, je pourrais peut-être y aller dans les sous-sols. Bah là, je suis à l'entrée déjà. D'accord. Hop. Je vois l'électricité qui fait cramer toute l'eau qui est en bas là, tout va bien. Salut Lanou. Salut Lanou. Salut Lanou. Une équipe qui part à l'aventure, effectivement. Si par contre j'aurais besoin de quelqu'un avec une hache en bas. Bah oui, j'en ai une hache. Et je crois que je suis pas loin. C'est le grand escalier qui descend. J'ai pas de hache. Oui. Bon, j'arrive. Allez, viens.
Allez, viens, c'est bientôt la fin. Oh putain! Bon, mais je suis à terre. Mobilisé à côté du bâtiment 6. J'arrive. Je vais essayer de te sauver. Faut aller où avec la hache? Alors attends. J'arrive juste. Faut que t'avances dans l'eau là. Et c'est sur la droite qu'on t'arrive. Alors attends. J'ai dit comme ça. Tu vas me voir sûrement. Là, tu me vois? Je suis en face de toi. Ok. Coucou. Oui, oui, je te vois. Non, mais je faisais juste coucou. Ah, je te vois, Tonza. C'est bien. Parce que j'ai couvert la porte pour aller dans le bâtiment, sauf que ben, il fallait que de l'électricité. Et justement, c'est ce qu'on fait le petit sabbat. D'accord. Oui, oui, oui. C'est pourquoi pour le bananier encore? Ouais. Il y en aura sûrement aussi de mon côté, mais. Ah bah, t'es tranquille, il n'y a plus d'électricité dans l'eau. Ah, cool. Et de mon côté, il y a 3 bananiers encore. J'ai la banane, j'ai la banane. J'ai la banane de l'amour. Alors, je voulais pas faire ça, mais... Aïe. Attends. De là... Ah, pas suivi. Ah, pardon. Oui, voilà. Ça c'est après, on va ressortir. Mon lit est froid ce soir. De ici et un sur la droite. Merci beaucoup. Je sais pas si je vais pouvoir faire un point, parce que ma hache elle est bientôt finie. Merde, je suis tombé. Bon, puis on reviendra maintenant qu'il n'y a plus d'électricité, on est tranquille. Ouais, allez, on retourne au bâtiment 6. Plus de lâche. Hey, salut Fanfan, comment vas-tu? Alors, putain, il faut retourner à ce bâtiment 6 de mes deux. Ah, un plan. Purificateur électrique, yes. Oh. Alors là, on va avoir de l'eau en réserve, moi je le dis. Sachant qu'on a le recharge, enfin, le chargeur de batterie, tout ça. Oui, oui. Et le purificateur électrique, en fait, a une réserve d'eau intégrée. Et en plus, c'est pour ça que les deux cases en fait à côté des purificateurs actuels ont été posées. C'est parce que ça va se planter dedans, il va pomper directement l'eau et il va la purifier. Merci, Fanfan. D'accord. Il n'y aura pas besoin de remplir, il y aura juste à utiliser. Attends, il n'y avait pas autre chose. Tu t'es pas trompé de bâtiment, petit Seb? T'inquiète pas. Loading Bay. Ah, voilà. Là, c'est le raccourci pour aller jusqu'au bateau. Ah. Non. On va y arriver, t'inquiète. Ouais. C'était là, et déjà, dans l'ascenseur. Ouais, elle est armée de son poisson. Dans le bâtiment central, là? J'ai pas... Le sage, il va bien, j'ai pas encore entendu le temps de sa voix. Je suis là. Ah, bah ça a ouvert ce bâtiment. Bah, je suis un peu groggy aujourd'hui, oui. Mais ça va. Non, on n'est pas dans le bâtiment central, on est dans le bâtiment où il y avait l'affiche. On a ouvert la porte. Oui, je l'avais vu ce bâtiment, je trouve. Parce que c'est bizarre que tu sois allé, c'était fermé avec l'affiche encore. Oui, mais on l'a ouvert de l'intérieur. Ah, mais attends, je vais vous rejoindre. Si je retrouve comme un blindu, que je me perde pas non plus. Ah si, c'est bon. Oui. Il y a un bar là, 4 jetons. Doucement, j'ai failli sauter. Je pensais sauter sur la terrasse, j'ai failli sauter en bas du bâtiment. Mais, Ah ouais, vous êtes passé par le moins 4, d'accord. Oui, le moins 4, c'est là où il y avait toute l'électricité. Attention. D'accord. C'est fort. Bonjour, les voisins, comment allez-vous? Salut. Hey, y a plein de cadeaux de Noël, qui c'est qu'on veut? Oh oui, moi. C'est plus des cadeaux d'anniversaire. Oh, il y a un jeton dans un cadeau. 3 jetons. 1, 2 et 3. Il est fou cet appartement. Hop là.
c'est une entreprise qui dit pas son nom. C'est d'accord. Pourquoi il pleut dans l'eau? Pourquoi il pleut dans l'eau? Il pleut dans l'eau. Pas mal, pas mal. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Petit Seb. Voilà, on a enfin trouvé la bonne tyrolienne. Ouais. Ah, bureau d'entreprise, salle de réunion. Oh. Ah, parfait, le piano. Et le rat qui te court au cul surtout. Le piano, volte, volte. Voilà. Bon, la machette contre le requin, c'est pas fou. C'est que, en fait, le problème, c'est que c'est pas le même timing que la lance. Ouais. Et ensuite, le second problème, c'est que à cause des dessins par rapport à l'autre, c'est plus compliqué à toucher encore. Ah oui, moi je suis sur les hauteurs où il n'y a pas de sécurité sur les toits. Moi aussi j'ai des jetons. Oh mon dieu! Une mallette. Oh, intéressant. On va dire rien. J'ai les re-des jetons. Oh. Il oh, n'y a rien ici. Ah oui, toujours des locaux d'entreprise. Et comme... Ouais, Torota a fait les étages déjà, c'est pour ça qu'on trouve rien. Là, je suis au dernier direct. Ouais, j'ai fait les deux autres d'en dessous. Entre les deux. Bonjour, bonjour, je peux vous servir quoi? Bonjour, alors, je voudrais un Virgin Morito, s'il vous plaît. Hop là. Merci. Alors non, ça c'est dégueulasse. Et je fais avec ce que j'ai. Hein. Je demande un Virgin Morito, on me sert de la substance visqueuse. Oh. Bonjour madame, que puis-je pour vous? Voyons voir. Oh, une petite limonade, allez, avec trois glaçons. Alors, j'ai pas de limonade, j'ai juste ça. Ok. Ouais, au revoir, merci beaucoup. C'était une soupe, madame, revenez. Non, non, mais c'est bon, je ne reviendrai plus. Déçu du service. Mais non, madame. C'est ce que je me disais, moi aussi. Moi, je suis carrément parti par la fenêtre, hein. Je dis ça, je dis rien. Putain, je vois d'étaler sur le pylône central. C'est trop rigolo. Bah, on essaye de fuir Torota, en fait. Ah oh. Putain, mais pourquoi il tient pas à l'échelle, ce trou de... Hein? Non. Ah. T'es mort, Torota? Mais non, mais... Putain. Je le vois qui s'excite sur l'échelle, le pauvre. C'est rigolo. Ah, mais non, mais il y a un truc qui va pas. Je monte jusqu'en haut. Je veux sauter. Non, mais continue à monter, Torota. Continue à monter. Voilà, c'est bon, t'es arrivant. Ça, en fait, merde. T'as pas besoin de sauter, il faut juste monter jusqu'en haut. Hop. Allez, rendez-vous tout le monde au pied de la tour centrale, s'il vous plaît. Ah. Oh. Va falloir me guider. Bah, t'as une grande tour noire en plein milieu de toute la ville. C'est là. Bah, d'accord, mais écoute, la tyrolienne pour l'argent, vas-y. Non, mais... T'as plus besoin. J'ai dit au pied de la tour, le sage. Ah, pas dit. C'est là où il y avait les distributeurs, d'accord, en fait. D'accord. Hop.
Toc, d'ailleurs, si vous voulez, on repasse vite fait sur le bateau pour récupérer l'eau, la viande, tout ça, pour ceux qui ont besoin. Moi, je le fais parce que j'en ai besoin. Je suis au pied de la tour. Mais t'es pas au pied de ta blonde ? Non. Au pied de ma blonde. Il fait bon, c'est bon, c'est bon. Au pied de ma blonde. Il fait bon, c'est bon. Voilà, voilà. Ah, si j'en ai porte ouverte. Je vais quand même prendre un peu de bouffe sur moi. Parce que... Oui, tu as raison. La légende raconte que c'est mieux. Mais après, je suis pas sûr. Hein. Oh, je peux plus courir. Allez. Et avec ce toboggan dans le paquebot. Ah, il y a un, deux. Bon bah, je suis prêt. Je ne suis pas prêt. Ah. Je suis en train de marcher en ramant parce que j'ai plus d'eau. Et le temps que j'arrive au point d'eau, ça va être compliqué, je pense. Oh, c'est pas grave, on te ramassera par terre. J'ai pas sonné le robot. Bon, moi je suis au rez-de-chaussée de la tour, je vous attends. Ouais, moi je vais être KO. T'es où, Torota? Mais là je longe le mur de vitre. Ah, ben j'arrive à la prochaine sortie. Quand tu sors du bateau et que tu rentres dans le dôme, c'est à droite. Je suis pas totalement KO encore, j'avance, mais Ah oui. Ça va pas te donner grand chose, mais ça t'aidera à tenir jusque là-bas. Merci. Marc, je suis bête. Tiens. Tu me le rends après. Hop. Tiens. Merci. Ah, bah d'un seul coup, il gambonne plus vite. Hein. Ouais. Toboggan. Hop. Je suis plein aux as, je vous attends là-bas. Oula, oula, il y a eu un bug, oula, il y a du mal là. Oh. Ouh, ça glisse dans tous les sens. Et le sage, il est où? On ne l'entend plus. Là, je vois Jay. Salut fan, et à plus, puisqu'il est midi. Voilà. Bonne nap. Ah, mais merde. Je vais prendre ça comme ça, moi. Attends, je vais faire ça, ça va être drôle. Largement. Ok, parfait. Voilà. Au pied de ma tour, c'est là où je vais aller. Hop, je vous rejoins en meilleure forme. Bonjour le robot, je ne te respecte pas. J'espère que tu es fier de cette information. Données enregistrées. Erreur. Oh, merci petit Seb. Je vois pas de quoi tu parles. Oui, il n'y a pas de souci, merci Fun. Bon app à toi.
Et puis c'est très calme aujourd'hui. Même moi je suis mou, alors je dors debout là. C'est 24. On a combien de pièces? 1 et 2. 31. Oh, c'est cool. Tu vas pas me faire croire qu'il y a que 2 étages dans cette tour. Si, ouais, mais l'étage 0, c'est l'étage moins 500. Enfin, c'est le rez-de-chaussée. Et l'étage 1, c'est quasiment tout en haut déjà. Oui, d'accord. Ils n'ont pas la même perception de la hauteur. Il n'y a que 2 étages, mais on n'a pas dit qu'il y avait combien d'écarts entre les 2 étages. Oh, grand stockage, yes. Merci et bisous. Merci et bisous. Emergency bridge launch. Attends qu'il y ait tout le monde. On va rien. On a fait tout le tour du mauvais côté. C'est quoi? Ah, elle est vraiment cool, la musique. Attends, parce que on a raté un truc. Là, y a rien. Qui a éteint la lumière? 13 ours, lumière. Lumière. On a oublié un truc. Ah non, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Le code. 42 000. 1, 2, 3. Ah oui, c'est ça. En fait, dans votre bouquin, je vais redescendre. Comme ça, je vous donne. Quand vous prenez votre livre, le dernier note. Vous avez 4 symboles, en fait, c'est les numéros de ces bâtiments-là qui vont faire le code. Ah, d'accord. Ah. C'est malin. Donc, est-ce que tout le monde est cher? Hey, coucou Andael, comment vas-tu? Vous avez le bonjour d'Andael. Bonjour Andael. J'aime bien, on dit bonjour comme dans une réunion d'alcooliques anonymes. J'adore. Alors, Exterio Lane, c'est le numéro 2. Je crois. Ah, donc, c'est le deuxième numéro. Ouais. Si c'est 1, 2, 3, 4. Partisan Road. C'est le dernier. C'est le 9. Max Lunch, fondateur du projet Pancarda. Il faut quoi? Bazaar Street et Tranquille Street. Bazaar Street. Alors, Tranquille. Ah oui. On a un chiffre, 2, un chiffre, 9. Ouais. Ouais. Bonjour, je viens ici car j'ai craqué ce matin. J'ai acheté une bouteille de vin rouge, vin blanc et du cidre brut. Ah ben. Ça va bien s'amuser. Yeah, boire. Je suis dans quelle rue, là? Non, je suis à Partisan Road. Attends, Partisan Road... Ah non, c'était la bouée. La bouée, ouais. C'est 3. C'est pas 9, c'est 3. D'accord. Donc c'est un chiffre, 2, un chiffre. En référence à le sage de Nancy pour les alcooliques anonymes. Il rigole. Bazaar Street, le coiffeur, c'est le 1. 2, 1. Et donc, 11 chiffres, 2, 1, 3. Je suis sûr que l'année, c'est le 4. Enfin, le premier, c'est le 4. Ouais, en fait, j'essaie de fuir les robots en même temps, du coup, c'est compliqué. 4, 2, 1, 3. Bah, après, tu peux toujours essayer 4, 2, 1, 3 si tu veux. Hein. Ouais, mais bon, t'es pas là, du coup. Non, mais c'est pas grave. Mais au moment où vous validez, sortez de la pièce. Vous allez voir ce qui se passe dehors. Si jamais ça marche. Non, c'est pas ça. C'était Street. Putain. Là, ce que j'ai vraiment l'impression de voir un ours se taper sur... Ouais, mais en fait,
Exterio Lane, je pense que ça serait plutôt... Ouais, c'est le burger, en fait. C'est pas 2, c'est 8. Donc c'est 8-1-3 à la fin, et... Ah. Et j'ai pas trouvé Tranquil Street. On est au-dessus du dôme. Tranquil Street est là. C'est quoi? C'est un espèce de... Ah, c'est ça. Ouais, donc c'est... 4-8-1-3. Essaye 4-8-1-3. Ouais, c'est bon. Regardez dehors. Viens, viens ton route. Oh, il y a tout qui a pété. Oh shit. Mais... C'est une fusée. Une fusée. Et c'est... Et d'accord. Il va falloir aller sur le morceau qui a pété, je suppose. Je suis déjà en chemin. C'est comme j'étais à côté. Mais venez. Moi, je suis sur le dôme, donc... Ouais, mais je suis pas sûr qu'il y ait autre chose à faire sur le dôme. Vous pouvez peut-être monter avec une échelle, non? Non, mais le sage vient... L'échelle, elle a pété, qu'il y avait... Oui, oui. Bah, c'est... Mais venez, venez tous. Bon, on prend l'ascenseur, au pire. Oui, oui, bah c'est le plus simple. Hein. Vous prenez l'étage 0. Torota, il est où Torota? Mais si tu regardes sur mon stream, je suis carrément sur le dôme. Ah, ok. J'ai voulu visiter le dessus du dôme parce que je trouvais ça sympa. Oh, saloperie! On sait qu'il a pété le truc. Attends, c'est à l'extérieur du dôme, c'est ça? Ouais, du coup, ce serait à l'extérieur du dôme. Oui. En fait, il y a le bateau d'un côté, il faut aller du côté de Tranquil Street, du numéro 4, justement. Je sais pas où. Ah, voilà, c'est ça que je voulais. Du titane. Attends, les canaux sont là. Où il y a le robot. Mémorise pas. Je pille toutes les ressources le temps que vous arriviez. Hop, je vois le bateau, donc Tranquil Street est de l'autre côté. Bonjour le robot, au revoir le robot. Ouais, il y a quelque chose là-bas. À manger, à manger. J'ai encore. Pourquoi ça brille en violet là? Et comment se passe votre session? Vous avancez bien? Je vais aller préparer le repas, je suis avec le casque, donc je t'écoute en même temps. Ok. Merci. Je ne vous vois strictement pas. Ça fait juste 2 heures qu'on est sur cette île. Hein. Ouais, non mais moi les repères pour certains endroits. J'ai fait toutes les sorties, mais je vous trouve pas. En fait, coucou le sage. Faut prendre la rue Tranquil Street là. Et quand t'arrives à la sortie, tu regardes sur ta gauche. C'est très très éloigné. Il est pas au bord. Ah d'accord. On le voit à peine. Il faut y aller vraiment là. Oh merde, les conseillers en gestion d'entreprise. On n'a pas besoin de ça. Donc ça c'est le 8. Et voilà, et comme ça vous récupérez un nouveau personnage. C'est magnifique. Tranquille. Là, il n'y a rien, je vois que dalle. C'est ouf. J'ai récupéré le numéro de la suivante, etc. Ça, c'est le barbier. Mais c'est... Ça, ben, j'ai fait le tour, j'ai le rien. Le barbier, t'es du mauvais côté, t'es retourné au... Franchement. J'ai fait toutes les sorties, je ne les ai pas vues.
Alors, à moins que ce soit mes yeux qui Ah, travaillent. on peut rejoindre un âge, vraiment? Ah bah ouais, t'as pas le choix. Bah on pourrait déplacer le bateau sinon, mais... En théorie, le requin, je l'ai tué tout à l'heure. Mais... Oui, puis ouais, ben, en alors, théorie, je suis juste à côté du bateau, donc je peux venir vous chercher. On est à l'eau. En fait, on est à l'opposé, en fait, du. Mais écoute, vous pouvez pas péter plus près là, c'est sérieux. Je vais... attends, j'arrive comme ça, je lèverai l'ancre et tu pourras faire le trajet. Bonjour le sage, je t'ai vu. Le sage, il a plongé, c'est YOLO. De toute façon, j'ai pas mis les moteurs, donc. Ah ouais, mais bon, si t'arrives, je vais t'attendre maintenant. Bah, je suis là. Enfin, dès que le ballon gonflable m'aura redescendu. Voilà, c'est bon, je suis dedans. Hop, j'arrive, je monte au cockpit. Ouais, je lève l'angle déjà, comme ça. Allez. Non, parce que j'ai récupéré le message, j'ai récupéré le... Donc, ah, tu me dis par où? Bah, sur la droite, on va faire le tour par là-bas. T'as démarré les moteurs, là? Ouais, parce que je sais pas... Décale encore un peu à droite. Ouais. Vive le vent, vive le vent, vive ça, le ça, c'est la gauche. Et c'est la gauche, mais enfin, pour moi, la droite, c'est par là. Tu me dis de tourner à droite. Donc, bah, tu rentres dans... Non, là, le vaisseau, le bateau a tourné pour rentrer dans l'île. Donc oui, ça sera sur la gauche, mais il faut qu'on fasse le... Pourquoi on n'avance plus? J'ai déjà plus de carburant. Non, et j'avais, j'avais refait le plein juste avant qu'on, juste après qu'on soit arrivé. Nous sommes échoués. Ah, mais si, c'est bon. Ah, c'est bon. Vas-y, relance les moteurs sont à l'arrêt là. J'espère que vous allez bien, toi et le chat. Eh bien, ça va, Cinéan. Merci beaucoup. Quand vous vous baladez sur le bateau, faites attention à... Il y a un moteur qui avait été changé de sens. Ah. Salut le sage. Le sage, il est venu jusqu'au bateau comme un grand. Moi, de mon côté, tout va bien. Retourne un peu sur la gauche, toi. Ouais, je tourne sur la gauche. Si tout va bien, c'est le principe. Sympathique, cette île. Oh ouais, du bateau. Je crois qu'on va rajouter des moteurs. Ah oui, je vois le truc. Ok, c'est bon. Tu peux lui foncer droit dessus. Y a pas de souci. Ah, ben Christella, tu restes bien là où tu es. Je fonce avec le bateau. Non mais oh, t'as fini, oui. Mais j'ai jamais dit que j'allais lui foncer dessus, à Christella. Je suis pas sadique à ce point-là. Mais j'ai un doute. Gaffe, j'ai une machette, hein, je t'attends. J'en ai une aussi, donc... Enfin, machette versus notre paquebot, je suis pas convaincu, Christella. Non, pas le paquebot, juste celui qui conduit le paquebot. Ah. Oh punaise. Il y en a un qui est mort de rire, je sais pas ce qu'il a fait comme bêtise, mais... Non, c'est, j'imagine, un duel à la machette. Je me plais. Alors, le but, c'est de les calmer, pas de les énerver plus. Ah, mais en fait, j'ai faim. Sur le pont, on a déjà ouvert les paris. Oh, putain.
Bon, ben il va falloir qu'on se trouve, hein, Christella. Pas le choix maintenant. Non, mais c'est bon, on te compte une. Vous allez vraiment dans le truc, là? Mais je me dépose, je compte. Let's go! Que vous puissiez sauter dessus. J'ai sauté tout poil dessus. Je crois que ton retard c'est bon, je crois que c'est bon. Hop, vous pouvez jeter l'encre, je vais aller voir le perso. Ok. C'est fait. On est à 3 à aller sur l'encre. Aïe! Oh! Wow, c'est quoi ça? Bon, je vais voir un petit peu les récoltes. Ah oui, il faudra ajouter des bacs pour les arbres, pour mettre les bananiers. Mais attends, on va pas faire comme ça. On... Mm-hmm. Un esclave, un pêcheur, une potagère. Mort de rire, je suis plié. Je vais pas. En fait, si tu veux, c'est que devant j'ai deux palmiers, ensuite j'ai deux mangues, et au fond j'ai encore deux palmiers et deux mangues. Donc on va pouvoir tomber par exemple les deux palmiers, voilà, du fond, et ou les deux mangues, et puis on mettra des bananes à la place. Ouais. Effectivement, Cinéane, c'est comme si on sortait une très mauvaise blague. Mais attention, est-ce que je vais me louper ou pas? Oui, c'est parfait. Je me suis bien foiré, c'est parfait. Ça a été filmé, enregistré et ça sera clippé. Par contre, il va falloir. Que je boive, que je mange. Qu'est-ce que j'ai? Ah ouais, alors, je peux jeter le plan. Allô. Hop. Le plastique, ça n'a pas été tant utilisé que ça. Non, ça va. Hop, la ferraille. On peut faire des réservoirs d'eau, du coup. Hop, à la bouffe. Tac. Ah, je me demande vraiment ce que nous réserve la suite de l'aventure. Parce que là, quand même, la ville d'Aume, c'était énorme. Est-ce qu'on plante quelques fraises? Ah ouais, je peux en planter en haut, ouais, j'ai de la place. Bah j'ai... Bah, ouais, en fait, tu peux retirer les pastèques, hein, là-haut, c'est pas nécessaire. Et puis les pastèques, si tu peux me les mettre dans le... Ah ouais, c'est ce que je fais. Pastèques. Ouais, bah, super, merci. Bon. Bon, bah, on a déjà deux réservoirs d'eau quasiment pleins, voilà. Oh, bien joué. La batterie, là. Bah, moi, aujourd'hui, c'est passion pêche, hein. J'adore. Hein? Et la marque de l'aspirateur, c'est un duster, apparemment. Voilà, voilà. Je dis ça, je ne dis rien. Mais non, tu sais pas dire, c'est Ooster. Ooster? Mais oui, c'est pas un D, c'est un O. Ils l'ont fait exprès pour éviter les problèmes, je pense. Ah, bah oui. Ouste la poussière. Bon. Eh ben, du coup. Mais elle est passée où, la cisaille qu'on avait? Ah, je l'ai vue dans un coffre.
personne l'a pris. Ah, là, c'est la neuve. Et la vieille, elle a été cassée ou pas? Je ne peux pas souvenir d'avoir vu une vieille cisaille. Elle a dû être cassée depuis bien longtemps. Ah non, non, non. Elle y était, puisque je l'ai utilisée, moi, au début. Ouais, et qui c'est qui a coupé la laine des lamas en dernier? C'est pas moi. J'ai jamais fait, d'ailleurs. Non, moi non plus. Je ne saurais pas te dire. Bon, on va apprendre que les lamas sont pas les mêmes. Bah, je sais pas. Et Torota, toi, t'as pas taillé la laine des lamas? Non, pas du tout. Bah, ça peut être Kidjé, alors, si c'est personne d'autre. Bah, c'est pas mal. Attends, je vais faire le détecteur. Non, mais j'ai la nouvelle, je vais l'utiliser, mais... Enfin... Cadeau de la mer. Hop, quelle heure il est? 12h30. Est-ce que vous voulez qu'on fasse une île ou vous voulez arrêter là? On peut repartir en mer dans tous les cas. Ces planches. Ah non, j'ai pas assez de combustible. Allez. Alors. Hop, voyons. Tout. On va faire ça. Déjà pour la prochaine fois. 60-76, ça sera fait. J'ai déjà fait les purificateurs électriques et il y a un réservoir avec, donc vous pouvez prendre directement au réservoir. Ok. Ah ben, tout droit. Du coup, j'ai retiré les anciens trucs. De toute façon, vous vous servez et avec la batterie, ça recharge automatiquement. Donc, donc on a plus besoin de la bouteille alors. La vieille bouteille, non, on en a plus besoin. On peut la mettre à la poubelle. Vous pouvez lever l'ancre. C'est bon. On va aller sur une grande île. Tout le monde est à bord? Oui. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Là, c'est fermé, là aussi. Je le lance. Waouh! Je vais pas me prendre une parabole dans la tronche. Ah ben, t'aurais pu avoir des contacts avec les extraterrestres. Avec ça, t'aurais été bien. Ah oui, alors. C'est pas tout d'être sur le pont là où il y avait l'espèce de soucoupe flottant. Voilà. Pourquoi j'entends une mouette? Ah, je suis sûr des mots interdits, la mouette, à vous me tuer. Oula, la mer est agitée ce soir. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Difficile de pêcher sur le pont avec une telle mer démontée. Allez, hop là! Ok, on est bon. Il est incroyable le dôme. Ah oui. C'était bien, bien, bien. J'ai adoré moi le dessin des appartements. Vraiment, j'aimais beaucoup le style. Moi, c'est un petit peu art déco. Ouais. Et les baignoires, là, en vasque, oh, ça donnait envie de se prendre un bain dedans, trop bien. Ah non, mais vraiment, j'aurais adoré. En vrai, je me serais précipité dedans. J'aurais acquisitionné une baignoire. Je sortais pas avant une heure tant que j'étais pas dans mes bulles odorantes. Au chat de volonté, dans cette baignoire. Ah, mais là, c'est le pur bonheur. C'est sûr. C'est sûr.
Est-ce que tu veux piloter le navire, Christella? Non, non, c'est bon. J'ai non. Pas envie de galérer. Non. Elle n'a pas envie d'avoir un accident, comme ça dira, c'est pas ma faute. C'est pas mon bateau, j'y touche pas. Le tout est en train de mijoter, plus qu'à attendre. Sacré bateau en tout cas. Ah, merci Andael. Bateau que l'on a fait avec petit Seb et Jay en une semaine et demie. Voilà. Ah oui, voilà. On aime bien le rappeler. Non mais le navire est magnifique. Hein. On est loin d'avoir d'ailleurs exploité toute la surface des pièces. Hein. On peut encore aménager plein de trucs. Ah oui, il y a des trucs sur l'île. Ah mais de toute façon, il y a encore un musée, une salle à manger à faire. Non, fallait pas qu'on parte. Ah, j'ai oublié. Ah bon? Je voulais, mais c'est pas grave, on pourra y revenir plus tard. Je voulais passer au distributeur pour acheter justement tous les tableaux, les plantes, les machins pour commencer à mettre dans la. Ah oui, on passera plus tard. Hydrater ton retard. Merci Abel. Ouais, merci beaucoup. Ah, j'ai gagné. C'est vrai que je bois pas beaucoup en plus, seulement que tu fais bien. Merci. Ah oui, pensez à boire. Ah, ben je vois le marchand sur l'île. Vu la lumière, c'est. J'ai plein de beaux poissons. Attention, impact avec l'île dans quelques secondes. Vous pouvez bientôt jeter l'ancre. Et j'attends le signal. Et impact. Vous pouvez lancer l'ancre. Voilà, l'encre a touché le récif du fond. Oh, je suis tombé dedans. Je suis trop pensé. Oh, déjà, qu'est-ce que je vois de beau? Un petit tonneau. Et c'est drôle parce que c'est la première île qu'on a fait en tout début de stream. Ah ouais? On revient sur la même. Ah ouais? Putain, c'est un bug. T'es sûr? Ouais. Ouais, parce qu'il n'y a plus les fruits. Il n'y a pas le petit coffre qui est sur le côté. Ah, là, il a vraiment été dépouillé. Oh la vache. On voulait visiter une île, et ben c'est comme par hasard l'île qu'on a faite au tout début. C'est ouf. C'est fort ça. Attends, je rentre au sommet de l'île. Oh, fais de la récolte pour la boîte à caca. Il restait les fleurs. À l'époque c'était interdit. Et maintenant, non. Ah oui, oui. C'est-à-dire. Et des ameux d'argent. Voilà. Moi j'amène des fraises si vous voulez. Je vais chercher les... C'est des ameux d'argent. C'est ça. Et encore, pourtant on est 5, hein. On n'est que 5. Oh non, mais déjà nana, je peux pas récupérer. La résonance de la musique dans l'eau, elle est toujours aussi bien. Ah ouais, c'est impressionnant. Ce que je disais ce matin.
Attends. Aïe! Le squal de mes deux. Comme ça, je mange les ananas sur place, mais je me rebarre avec les graines d'ananas. Ah mince, il va falloir que j'enlève tout ça. J'ai envie de pleurer. Ouf! Alors attends, on va remettre les objets en place, histoire de remplir un petit peu plus. Hop, la feuille qui fait toute la différence, la pierre, on s'en fout. Tu jettes les bouteilles d'eau de mer, les bouteilles vides? Oui. Ok. Bah, en fait, on a les trucs électriques maintenant, donc on n'a plus besoin de remplir. Ça pompe automatiquement directement dans l'eau de mer. Ouais. Ça filtre et ça rend. Bon. Et bien, du coup, on va pouvoir relever l'encre. Qui c'est qui a relevé le truc dans le pont? Hein? Mais il y a quelqu'un qui a relevé le pont du bateau. Et oui, du coup, on s'est fait guaquer par le requin. Bah, le requin, on avait après moi. Bah, il m'a tapé moi. Ah bon? Oh, désolé. Ouais. Non, t'as pas de bol. C'est un courageux, AJ. J'ai fait ça pour remplir davantage la boîte à caca. C'est vrai, en plus. On va jeter la boîte à caca à la mer. Non! Pitié, Captain. Tout, mais pas ça. Allez, oh, chiotte, c'est la boîte à caca. La punition, s'il est pas sage. Oh! C'est vraiment plus, j'ai un nouveau colorant. La boîte à caca. Oui, Andel, c'est une boîte où le sage met toutes les affaires qui n'ont pas. Met tout son caca. Ouais. C'est pour faire sa Valérie d'Amido, la boîte à caca, c'est tous les colorants. Bientôt, je vais repeindre tous les navires. Oulala. Bah, en fait, moi, je suis en train de faire la peinture, donc t'inquiète pas. Yeah. Non, mais moi, je vais jeter les deux là, AJ et le sage. Non. T'as besoin de nous en plus. Pour quoi faire? Bah pour l'exploration et pour... Bah moi je suis pêcheur hein, techniquement. La cuisine. Bah t'inquiète pas, je sais faire les deux et les trois. Oui, c'est bien. Hop, Capitaine, voulez, hein. Vous pouvez lever l'ancre. Oui, on lève l'ancre. On va essayer d'aller... Non mais, qu'est-ce que tu fais, Jay? Quoi? Faut pas toucher ça. Pourquoi? C'est les fleurs pour les abeilles. Mais il fallait prévenir. Ben non. Je sais pas, c'est logique, je mets des abeilles et des fleurs devant, c'est fait pour. Sinon, les abeilles, elles produisent plein de miel si elles ont pas de fleurs. Non, le but, c'est pas de remplir la boîte à caca du sage, ni t'être pur à la con, là. Oh. Il va y avoir des épluchures de patates bientôt dans la cale. Ah, c'est bordel. C'est qui fait un bruit de je sais pas quoi là? Il y en a un qui fait un bruit de trompette avec ses fesses, je crois bien. Ah, c'est pas moi, je suis en haut. Ouais. Oula, ça tourne le bateau. Ouais, on va essayer de se trouver une autre île que j'ai en visu. Ah, c'est bien, il va falloir deux charnières par truc de stockage. Ça, c'est cool. Il va falloir qu'on passe beaucoup de. Ok, on est bon. Faudra que je passe au marchand pour voir. Mais je pense qu'il va falloir qu'on fasse pas mal de packs de déchets et il va falloir qu'on fasse pas mal de titane. Bah, c'est pour ça qu'il va falloir faire des grandes îles justement avec le détecteur et trouver des coffres. Mais il faut qu'on arrive à faire ça dans la semaine. Donc. Comme ça, quand on revient la semaine prochaine, le sage il fait. Mais on a encore changé de bateau. Là, c'est bon, c'est du tout droit. On est parfait. La première armoire.
Nous avons notre première armoire de stockage, mes amis. Oh. Mais bon, on n'a plus de titane. Moi, je dors. On n'a plus de titane. On n'a plus d'énergie dans les... Je rajoute un barbecue. Dans ? Dans quoi ? C'est pour avancer le bateau, là. On n'a plus du tout... Ah ! Bah, il faut que je récupère le bois, je vais te remplir ça. Attends. Ça a été inversé, non ? On fait une marche arrière, là, je comprends pas. Il faut qu'il fasse attention, parce que je pense que c'est en faire exprès. Oui. Non. Oui, on est tous en... Voilà. Mais t'avais changé là-haut, non ? C'était pour vérifier, mais... coupe le moteur. Ah ben, je me disais bien, on s'approchait bien de l'île. Ouais, ok. Si les moteurs sont activés... Oh, Mimi, on peut faire stick à mon animaux. On peut les prendre tendrement dans nos bras. Ça, je le mets dans le stockage, comme ça on pourra la remplir avec une autre. Oui, tu fais attention parce que t'as la manette pour démarrer d'un côté et de l'autre côté, c'est la manette pour faire changer le sens des mots. Ouais, non, mais je sais. Mais c'est pour ça que je regardais. Quand j'ai activé, je dis c'est bizarre, on recule vite. Bon voilà, les moteurs sont rechargés à fond. C'est génial. Le système de... Oh, j'adore. De quoi ? Le j'en perds mon latin là, je suis bouche bée. Le système est vraiment ingénieux pour l'eau. L'aspirateur qui gloups. Lié à la batterie, machin, tout ça, ça filtre, ça arrive dans... Oh, c'est trop bien. J'adore, c'est du génie. T'as ça, le sage, et puis après t'as les gros réservoirs que j'ai mis à côté, faut que je fasse des tuyaux pour les relier. Oh là là. J'ai envie de faire un test à la con. Mais Torota avait raison, ça va finir un EHPAD. On va tellement mettre de tuyaux qu'un jour les tuyaux vont arriver juste dans notre chambre et on aura tout pour crever dans le lit peinard avec tout. C'est horrible. Vision d'avenir. Voilà. Et tu vois, la réserve d'eau du filtre, quand elle est pleine, tu vois, là, je viens de la relier avec la grosse réserve à côté, ça fait même pas la moitié. Ah. Donc, quand les deux seront remplis, enfin, plutôt les quatre, du coup, puisqu'il y a deux pompes et deux réservoirs, bah... Ok. J'ai envie de partir en brille après, à la fin. Du coup, ouais, on a des minerais à faire. Ouais, mais on s'occupera de tout le reste. Alors là, j'ai enlevé les tuyaux qui alimentent le. Pardon. D'accord, c'est ça la recette. Hein. Ouais, c'est ça. Du coup, donc ce que je disais, c'est que j'ai débranché le chargeur de batterie de la réserve de carburant. Oui. Tout simplement pour pouvoir le déplacer. Mais je le déplace pas tout de suite parce qu'il y a encore du carburant dedans. Donc on fera charger des batteries et puis quand tu auras plus rien, on le déplacera. Je regarde si le travail est bien fait. je remarque que je suis sur Discord, je suis même plus sur mon stream. Non mais c'est bon, il n'y a personne qui parle. Comme d'habitude. Tac, 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 tac.
N'importe quoi. On avance à une vitesse folle, on n'arrête pas de récolter des coffres, des machins, des trucs. Moi en bas là, je vais donner de la tête. On est bon. Là, je peux vous dire, on n'a plus de problème d'eau. Hein. Ouais, c'est bien. On en avait déjà pas trop avant, mais là, zéro. Bon, et dans la semaine, je vais regarder pour monter les tuyaux jusqu'en haut, qui c'est là, comme ça, tout sera arrosé. Ce sera plus simple. Voir même mettre une réserve d'eau là-haut, comme ça, on sera tranquille. Ah, ben elle aussi sera arrosée alors. Oui. Comme ça, elle pourra grandir un peu plus, Christella. Elle sera encore plus belle faire qu'avant. Non, mais tu vois, je parler des plantes, je lui dis oui. t'as un enfoiré, toi, voilà. Hop là. Bien, vous avez fait une belle production de fraises. Il y en a 20 dans le coffre, j'en reviens pas. Ah oui, ça prend bien. Bravo, wow, je suis impressionné. Ah, c'est qu'elle fait du sacré boulot, Christella. Vivi, je vois. C'est beau, je vois des fonds marins. Oui, c'est parce qu'il y a une petite île. Non, on l'a pas, c'est parce que il n'y a rien d'intéressant à trouver dessus. Ouais, tu peux trouver du métal, mais c'est pas ce qui nous intéresse pour l'instant, on en a assez. Moi, je retourne sur le pont faire de la pêche. Je ne m'en lasse plus. Surtout que ça rapporte, j'ai la chance de rapporter pas mal de saumons. Ça me réussit plutôt aujourd'hui. Bon, ben moi je vais devoir aller manger. Bébé. Mon perso aussi. Je vais le faire manger. Ben ouais, et bon appétit à tout le monde. Ouais, bon appétit. Ah, c'était bien, merci. Alors, attends. Tac. Voilà. Je dépose un peu tout ce que j'ai quand même avant de partir. Allez, saute. Si jamais il y en a qui savent pas quoi faire, il y a pas mal de minerais de fer à faire fondre. À faire fondre. Ah, du coup, il y a 3 barbecues. Oui, j'en ai rajouté un. Oh. T'inquiète pas, je vais refaire la cuisine cette semaine. Ça sera plus la même à leur retour. Là, tu cours sur le pont, tu saisis ton grappin, tu essaies de choper la caisse qui passe le flanc du navire, c'est trop drôle.
Aïe. Je suis Jalil. Oui, Jalil, j'ai gagné. Très bien. Oh, oula, oui, on a vraiment échoué là, on a percuté l'île. Je tiens, c'est bizarre, on a une extension de pont en pierre. Ah non, c'est l'île, ok. Ah, oui, si, mais on va se greffer à l'île, t'inquiète pas. Ah, oui, c'est... Ensuite, on la coupe, on la détache et on l'emmène. Hop là, vous pouvez le lâcher l'ancre, si vous voulez. Ouais, mais non, on va se rapprocher un peu parce que là on est pile sur la pierre. Bah oui. Bon, moi je vous attends sur l'île, hein. J'ai déjà débarqué. Ouais, alors là, hop, moi je vais vous laisser ici. Ça marche. Hop, je lance mon raid. Merci à tous ceux qui sont passés. Bon appétit à tous et à plus tard. Ciao. Salut. Merci petit Seb, bon week-end. Et là derrière je chante. C'était le plus grand des capitouls. Tu sais que je suis pas encore parti. Oh merde. C'est bon, vous pouvez jeter l'ancre. Il n'y a pas de souci. Voilà. On s'est bien rapproché. Fais-nous une petite pour le raid. Une petite sauvegarde. Yes, la petite sauvegarde, c'est fait. Voilà. Bah ouais, je serai toujours le sage, alors pour changer, je l'arrête trop tard. Ah oui, tu as bien fait. Voilà. De toute façon, il va s'arrêter, il va raid le sage. Donc... je dis ça, mais je m'en sers. Bon bah voilà, bon appétit à tous. Bon appétit. Salut. Moi je vais faire des croques monsieur au Bouddha, j'en ai très envie. Oh. Mais c'est le luxe. Bon. Eh ben, let's go, hein. On va se mouiller. Oh oh, je suis en face à face avec un facochère. Ta-ta-ta-da, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Viva Espagne. Allez. Déjà. Il a failli m'avoir. Non, je l'ai loupé. 2-0. Aïe, mail. 3-1. Aïe, il m'a encore eu. 3-2. Ça pas oh punaise. Et moi je suis avec le piaf. Eh ben c'est parfait. C'est sport par ici. C'est l'île de tous les défis. Aïe, oui, aïe. Oh non, il va me faire crever. Est-ce qu'il y a un trésor ici? C'est chaud. Et c'est quoi ton outil? Ça, c'est un détecteur de métaux pour trouver des coffres au trésor. Oh. Dans ces coffres au trésor, on peut trouver un objet qui est très rare. Ah, cool, le sage. Qui est assez rare, c'est le titane. Voilà, merci. Je cherchais le mot. pour qu'on puisse le faire fondre, le minerai. Exactement. C'est ce premier mot que je cherchais. Et du coup, après, on le fait fondre et ça va permettre de... d'avoir après donc les lingots et les lingots ça, pour avoir des outils mais surtout là les derniers il faut du titane donc mais avoir des placards solides
faire des... je ne sais plus, je te montrerai la liste. Eddie? Oui. Tu es toujours dans le bateau? Je suis sur l'île. Tu es sur l'île. Qui est sur le bateau? Ben moi, qui suis en train de cuisiner, pas griller des trucs. Ok, juste une petite question. C'est là, si tu as 2 minutes, tu peux me redonner les 2 couleurs de dindon que l'on a dans l'élevage, ah oui. Dans l'élevage, parce que j'en ai croisé un, mais je sais plus. Il y a un bleu, un ouais. Rose. Donc c'est le rose que j'ai vu. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Ouais. Il nous manque le marron, le lama, il nous manque le rayé, et le dindon, c'est bon. Celui avec les pointillés, non? Non, les rayures, le lama. Ibi. Il a fait de la prison, il n'a pas voulu changer de tenue, bon, mais écoute. Hop là, ça c'est bon. Ah ben voilà, c'est ce que je cherchais. Hop là, le piaf de mes deux. Bon. Je vois Jack qui passe en dessous de moi. Je cherche le bateau en fait. Ah, oh, t'as pris la mauvaise direction, ouais, Jack. Bah ouais, comme d'hab. Hein. Hop là. Ah, c'est un jeu de survie, mais il n'y a pas de boussole. si, il faut en acheter une au marchand. C'est censé se fabriquer une boussole. Ah, ah, s'acheter. Il n'y a pas de marchand du coup. Dans les jeux de survie. Oh. J'ai bien oublié de vérifier là-haut s'il y avait un présent. Bon, je le vois, ça va. Comment est-ce qu'il n'y en avait pas? C'est possible aussi. Oh oh, entendu un facochier. Non, ça c'était l'oiseau. Ah, pas du tout. Parce que quand il lâche la pierre, il a un cri bizarre. Et c'est le cri que tu entends justement. D'accord, d'accord. Oh, il est beau le navire. Pas de trésor ici, je dirais. Pas de trésor. Quel dommage. Il a arrêté de replier le pont. Ah, ben ah, le piège, il est en bas. Ah, t'es de quel côté que j'ouvre? T'inquiète, je suis là. Je vais plutôt de l'autre côté. Bonjour le squel. C'est vrai que... Ah mais c'est vrai qu'il y a une grotte sous-marine là, pas loin. Ah, attends, moi je suis content parce que j'ai remis plein de poissons. Il y a une grotte en dessous. On a 2 saumons à cuisiner. C'est le luxe. Tu regarderas ta boîte à caca, le sage, il y a pas mal de choses. Ah, Mickey. Ah oui, Mickey. De la planche, de la ferraille, rien d'extraordinaire ici. Ah ouais, pas mal. Ah mais ben surtout les boulons, c'est ce qu'on va avoir besoin de plus. Sur les bananes au barbecue. Non. Oh! Non, pas. Mais très jolie idée, en attendant. Par contre, hier, les bananes caramélisées, oh, que c'est trop bon. Avec un peu d'amande dessus, le pur régal. Aïe, mon...
Bon, alors, on va redistribuer tout ça. Non, ça c'était dans l'autre. Ah, il y avait deux lingots de fer aussi. Oh, c'est trop beau. Là, il n'y a rien. Des graines de pastèque seulement. Bon, tout ça, c'est à jeter. Je vire ça, je vire ça. Oui, ça, c'est bon. Excusez-moi, je vais cuire mes deux saumons. Ah, oh, vas-y, moi j'ai fini ma plâtrée de betteraves. Hop. D'ailleurs, on peut le faire direct. Hein. Je pense que ça serait pas mal. Je récupère mes deux saumons cuits et puis après, moi je vous laisserai là. Je vous mettrai des clips à Kogo sur mon antenne. Je vais vraiment me ruer à faire mes crocs. J'en ai très envie, j'ai bien faim. Ce qui fait que pour ma part, moi je vous retrouverai, enfin je ferai le rediffusion automatiquement à 14h chez FunFan pour votre épisode commenté qui promet d'être intéressant cette semaine d'ailleurs. Ah. Dans l'histoire, là on avance proche du dénouement et il y a beaucoup de parts de scénario qui vont être dévoilées. Oh bien. Ouais, beaucoup de questions qui sont restées sans réponse. Qui, voilà, plus tard, et si on ne se voit pas d'ici là, bon réveillon et bon Noël à tous, dit Andael. Ah, merci Annel. Ouais, bonne fête à toi aussi. Et pareil pour toi, Annel. Bonne fête. Également, Annel. Merci beaucoup. Hier, je suis dans le doute, j'ai fini d'emmener mes cadeaux, ou pas ? Je crois que j'ai fait tous les cadeaux. Ah. Hop, je vais visiter un petit peu les champs pour voir ce que ça donne. Ah. Mmh. Oh, c'est cool. Bon, bah merci à vous toutes et toutes, c'était cool. Ah oui, c'était bien. Merci à toi d'être venu, le sage, hein. Oh bah j'aurais pleuré mon absence si ça avait été le cas. C'est trop drôle, c'est trop bien. Ouais. Bon, le Capitoun, là, en attendant, c'est pauvre, sa chambre. Hein. Zéro déco, là, à part sa baignoire et son sofa, mais sinon, son canapé. Eh bien. Alors, hop. Dans ma coulisse, attendez que je gère bien tout l'ensemble. Là, vous avez gagné droit dans ma tronche, dans la pénombre. En plus, j'ai pas mis de lumière. Ok, ok. Attendez, je vais vous mettre les clips. Toi que je vais enregistrer, qui est dans le jeu encore ? Moi. Ok. Ouais, que je. Jour de vie, de survie, 327 jours. Ouais. Il est comme en prison, tu sais, il va faire une barre à chaque fois qu'il vit un jour. Et là, j'ai même un compteur de fondation. On a 550. Oh putain. C'est mal à la taille du bataille. Ah putain. Oh! Voilà, là, c'est ma chambre. Le requin, le sanglier. Ah, tu pourrais mettre la tête de Piaf maintenant, parce qu'il y en a une deuxième. Ouais, je vais faire ça. Alors. La tête ou Piaf, ici. J'ai regardé vite fait sur le wiki si c'est sur une grande
un grand tableau ou pas. Oui, je sais pas si moi aussi je suis dans le doute quand est-ce qu'on se revoit, parce que là on est samedi et le Noël c'est lundi. Ouais. Donc, bisous tout plein, bon week-end, bonne fête, et puis on se recroise dès qu'on peut sur nos canaux respectifs, etc. Bien sûr, pas de soucis. Amusez-vous bien, c'était cool. Bisous, bisous, ciao, ciao. Bisous, ciao, salut. Ah, ils sont adorables les copains. Que du bonheur. Attendez, je vais vous mettre la compile, le clip. Bougez pas, bougez pas. Puis j'ai hâte de faire mon miam. Je meurs de faim. Donc je reprendrai mon antenne à 14h pour faire un relais de chaîne propre à FunFan. Donc voilà, bonne app tout le monde. Hop, je crois que c'est comme ça. Je mets le son. Bah oui. Merde, ah oui, attends, j'ai encore des manips à faire. Cette scène n'a jamais existé. Je vous le dis tout de suite. Alors, David Olive, tu me dis, c'est bien, ils ont même pensé à mettre le caramel. Où est la languette? La question qu'on pourrait se poser. Ne répondez pas à cette question. C'est indécent.